Les bonnes patates. Bah c'est loin à se lancer. C'est long, ces bêtises. Ah, ça a l'air bon. Eh bien, bah, salut tout le monde, hein. On se retrouve bah, pour un petit stream sur du rétro chez Matt, comme d'hab. Salut, si on me donnait, vous voulez l'ASMR de patates? Oh, vous aimez l'ASMR de patates. Les patates. Du coup, ce soir, c'est du Mario 64. Star Revenge numéro 7, hein, parce que les outils puent et que surtout je les ai déjà faits et puis qu'ils ont rien à voir entre eux. Du coup, bah, ce sera celui-là. Même si je l'ai déjà fait à l'époque, mais il n'y avait pas les RA, donc c'est bon de le faire. Puis c'est cool. J'ai jamais fait de hack, je crois que soit en vidéo ou en live de Mario 64, donc bah, c'est occasion. Ah si, j'avais dû tenter une fois, mais ça n'avait pas marché parce que c'était le online qui était cassé. Enfin, on va reset parce que je suis pas sûr d'avoir pris le fichier A et puis ça peut être la merde. On va mettre en plein écran sur OBS. Ah, il manque un bout là sur l'image. C'est quoi ce connerie? Ah oui, c'était Tarzan qui faisait n'importe quoi. Ah, il manque un gros bout d'ailleurs. La faute de Tarzan. Ouais. Ouais, il rajoutait des bordures en noir, ce con. Salut Zeldo! Pour une fois, il vient plus tôt qu'à la fin. Enfin, pour une fois, il sera là. Tu sais, il y a de Bah, la au place dans début. le vocal, hein. Ouais. Bon, je vais éviter de parler trop fort, il y a de Interview. l'écho après avec ton micro. C'est un peu bizarre. Oui, c'est possible. C'est peut-être parce que c'est trop fort. Enfin, j'ai le son trop fort dans mes oreilles, c'est possible. Ah, c'est possible. Attends. Et Hop. là? Bah ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est moins. On l'entend moins. Enfin, quasiment Bah pas écoute, t'as quoi. qu'à parler moins fort. Non, mais c'est tout bon, c'est tout bon. Tu passes pas longtemps, comment ça te passe pas longtemps? C'est quoi de Non ça? mais tu sais, il est occupé. On le connaît, le Zelda Occupado. On va parler au petit panneau. Star Revenge 7. Mike Vous me Fry. Gros fatiguez. but. Kazé. C'est qui dit ça? Ah. C'est Loulou. Mais il l'a mis dans le général. Mangolo. Ah, la sortie chez Voldemort. Hein. On le connaît. Je t'avais dit que ça allait marcher, il va le mettre, je suis sûr. Ah bah j'espère. Hein. Ouais, c'était ça, c'était pour ça. Hein. S'il le met pas, je suis trop On triste. l'a pas fait pour rien. Je suis très occupé en tant que ministre. Bah ouais, mais tu vas rater ce petit hack. En plus, dans ce hack, comme ils sont en train de dire, il y a quelque chose qui est. Des petits objets qui sont appelés des badges. Parce que Mario est réellement handicapé dans ce jeu. Handicapé. Il n'a pas le triple jump. Et Oh, ça c'est con il n'a ça. pas le wall jump. Il faut les débloquer avec des petits badges. Parce que pourquoi pas? Du coup, le hub est découpé en quatre petites sections et on va aller dans celle où c'est marqué 1. Hein, pourquoi pas? Même si, bon, il y a des Goombas un peu partout, mais. Voilà. Goum. Il y a des blocs de sable, je sais pas pourquoi, mais ils sont là. Il y a vraiment rien en plus. Réellement! La tristesse. Au moins, il C'est peut taper. vide. Réellement handicapé, on a dit. Avec la petite Eh, barre de vie spéciale. imagine un Mario, tu peux pas sauter. C'est que c'est aussi con qu'un jeu Sonic où tu peux pas courir. Bah, avec le online, c'est possible. C'est vrai. Le petit Goomba. Ah, c'est niveau 3, j'ai raté. Ouais, malheureusement, c'est pas officiel. C'est pas officiel, non. Mais bah, j'espère que ce sera jamais officiel. Quoique, Mario Odyssey, t'as des transformations où tu peux ne pas sauter. Tu peux pas. Enfin. Oui, mais dans Mario Odyssey, même en Goomba, tu peux sauter. Ouais, C'est ça mais qui est plus triste. quand t'es en matu, tu peux pas sauter.
Du coup, c'est la Manique, la Manique Valley. Hey, comment ça va, lady? Good merde. Oh, lady. C'est les petits chats. Les bonbons, c'est des petits chats. C'est mignon, les petits chats. Donc, ouais, c'est un peu l'esthétique des Star Revenge qui est un peu spécial. C'est... Enfin, il me semble que chaque Star Revenge a une espèce de couleur qui lui est propre pour les thèmes. Genre les étoiles et tout, ça change de couleur à chaque fois. Et c'est rien que je fasse les 100 pièces, je pourrais pas les faire. Mais bon. Là, le but, en fait, ça va être juste de récupérer les badges pour pouvoir commencer à jouer. On va aller chercher des objets pour pouvoir réellement jouer. Sinon, les niveaux, ils sont sympas, de mémoire. Et des musiques toujours sympas. Ça va, oui. En espérant que la mémoire fasse pas trop défaut. La vallée des maniques. Des maniques. Ah, les débuts de plateforme, mais... Ça va, on peut encore sauter, même s'il fait des trucs bizarres avec son double saut. T'as l'impression qu'il va s'envoler à chaque fois. Et la petite étoile. Ça va, si tu pars juste chez Voldemort, ça pourrait être pire. De chez Voldemort, what? Oh, je sais pas, c'est Zelda qui appelle quelqu'un Voldemort. Ah, si c'est Miss, ouais, je comprends. Le switch du riz. Ouais, je sais pas, j'ai hésité hein, aussi, je t'avoue. Hein. Mais bon. Je ne pense pas. Donc là, faut trouver le petit switch pour ouvrir la grille qui est tout là-haut, là-bas. Évidemment, il fait des trucs bizarres. Oh, le switch est là, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a les ennemis dans les hautes herbes. On a eu le switch au moins. Allô. Non, c'est pas Miss, hein, il nous le confirme. Oh, c'est pareil, hein. C'est pas long. Hein. C'est la même chose. Hein. Mais ouais. On va pas chipoter. Hein. Oh, on va dire tout des hacks. Ouais, vas-y, c'est quoi ta question? Mais il tout tout même, hein, d'accord. Super. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi, c'est Mystic Stone of the Lake? Merde. Non, non, bah c'est pour ça que je fais le 7, hein, c'est parce qu'on s'en fout. Hein. Regarde, je peux te lire l'histoire, hein, là, c'est... On s'en bat les couilles. L'histoire, c'est... Les crédits. C'est les crédits. Et il y a des badges. C'est l'or. Plot. Ouais, mais on s'en branle, hein. On s'en branle, je confirme, Zelda. Oui, fais gaffe, parce qu'il y a plusieurs versions à chaque fois. Genre, t'as les versions refaites un peu des premiers, notamment. Et tu peux les faire dans n'importe quel ordre. Si le 1 est très classique, mais ils deviennent tous de plus en plus spécial. Genre, chacun a un espèce de système de gameplay différent. Mais comme je t'avais expliqué, c'est le 3.5. T'as tous les niveaux qui sont liés entre eux. Genre, t'accèdes au niveau 3 depuis le niveau 2, ce genre de choses. Et là, bah, ils ont mis le système de battle, qui est un peu le moins ouf hein, de ce qu'ils ont fait. Soit qu'elle a l'air facile. Mais c'est le premier niveau là, tu vas te calmer aussi. Bon, il est pas dur. Enfin, la difficulté c'est d'être handicapé. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours d'être handicapé. T'es bâtard. Et. Ah, faut dire ce qu'il y a, il peut même pas sauter au mur. C'est quand même le comble pour Mario. Et l'étoile est au milieu de l'eau. Toc, toc, toc. Après c'était pareil dans Mario 1, il peut pas sauter sur les murs. Hein. Oh, ah si, il y a un petit bug où tu peux sauter contre les murs, Zelda l'a dit, mais il a pas réussi oui, à le faire. Mais, je sais pas. Non mais sans bug. Oui, certes. Coucou Nini, comment ça va? Hop, et la petite étoile. Ah, je sais pourquoi elle est venue. Mais c'est la nage, Zelda. Elle veut entendre de l'ASMR de patates. Ah oui, l'ASMR de patates. Oui, parce que Wizray cuisine en même temps. Parce que pourquoi pas? Genre même moi je me libère quand je fais des trucs, tu vois.
Bande de feignasses. Let over the... Regardez un speedrun. Par contre, je sais pas du tout, c'est... C'est quoi leur histoire, là? Ah, merde. Elle va loin, celle-là. C'est un peu traître. De toute façon, je peux pas avoir les 100 pièces. Oh oui, le speedrun. Ah, il fait quand même des rebonds du mur, hein, mais... Mais il se pète la gueule en les faisant. Je peux pas monter là-haut. À l'époque, quand je cuisine en vocal avec AD. Oh, tu le fais de temps en temps. Enfin, non, c'est vrai. Tu l'as pas fait l'autre fois. Hein. Un peu de tristesse, hein. Le Zelda Cuisto, là, on le veut. Peut-être des live cuisine un d'ailleurs, jour. D'ailleurs, t'as raté le stream de Cooksor hier. Ouais, bah j'avais des choses à réviser. C'est triste parce que du coup, il n'y en aura plus jamais. Hein. Bah pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il s'arrêtait sur ce stream là parce que bah ça devenait répétitif en gros. Bah, il a dit qu'il y en avait ce soir. C'est quoi ces conneries là? Ah ouais? Bah normalement, c'était prévu pour ça, mais il l'a fait hier. Non, je sais plus. Ah, non, c'était prévu pour hier soir. Ah d'accord, il me semblait que c'était pour aujourd'hui. Écoute, je sais plus, je suis sûr. Faudrait voir l'opening, mais là j'ai un peu d'affaire. Donc au lieu de faire n'importe quoi, on va peut-être aller où il y a l'étoile. Ah, ce qu'il faudrait le faire, ce serait les épingler sur le serveur, ce serait bien. Mais... Ça ne pas galérer à retrouver. Évidemment. Bah, ouais, sinon... Mercredi, y'a rien, crétin. Ah bah voilà. Et bah j'imagine que c'est pas chez toi finalement ce soir. Par contre, non, Secret over the Lone Look. Ah! Ça te va comme ça? Deux. Non, rien, pas toi, D. Ok, tu te rassures, non mais. Ah, t'as par contre, parler, la saturation est revenue. Enfin, y'a l'écho saturé de temps en temps. Bah, on est que deux, tu sais. Ouais, enfin, j'ai envie de dire, les absents, ils ont toujours tort. Hein. Du coup, j'imagine, c'est genre. Il n'y a même pas de défaut dans les textures, il me semble. On va regarder où elle était, la pièce. Alors, le mieux, ça aurait été d'abord les laver, puis ensuite les couper. Mais c'est pas grave, ça marche aussi. Hein. Bah c'est bien ici pourtant. Secret over... Ah non, c'est au-dessus. Pas en dessous, crétin. Ah, tu veux les mettre direct dedans? Oui, bah c'est vrai que c'est pas con. Une bonne grosse, merde. Perspective. Une grosse patate. Perspective, man. Voilà, la boîte invisible, hein. Évidemment. C'est et... la boîte magique, la boîte de lavage. On pourra rien avoir d'autre. Le one-up, je crois. Attends, il y a bien fini. Ils ont mis bien fini dans le patch là. Ah, c'est possible. J'ai l'impression qu'ils mettent bien fini de base maintenant pour les hacks. Bah pourquoi c'est trop dur? Non, c'est... Enfin, je sais pas. En tout cas, pour le 7.5, il y était. Le patch bien fini, j'ai vu. Bah autant pour un hack comme 74 Extreme Edition, je veux bien, mais... Bah, soit c'est pas punitif d'avoir Game Over. Ouais, mais... C'est juste moins chiant. En fait, ça me permet de me fixer une espèce de valeur étalon, si je puis dire. Ouais. Si je me dis, bah si je fais pas de Game Over, bah c'est que c'est bien, tu vois. De toute façon, la difficulté te la ressemble bien quand elle est là. Oui, c'est vrai. Non! Oh, j'ai raté une pièce bleue. Je suis déception. Déception point. C'est quoi ce timing? Là, c'est pas les timings casés, là. Ça, c'est vrai. J'avais deux fois le temps de passer. Ah, il aime ça, les étalons, le coquinou. Hein. Petit remix de Sunshine. Oh, il y en a masse des Goombas géants ici.
ça veut dire masse de pièces. Ouais. Et ouais, je pourrais faire 100 pièces, mais on attendra les badges de toute façon. Par contre, faut que je regarde avant, il y a un badge que je... qui m'a... Je cherche ma housse de micro, mais putain, mais qu'est-ce qui branle, loulou. C'est mongol. Dans les achievements... Mongolman. Il demande d'obtenir... C'est le seul qui a mis Sable. Le triple jump badge avant l'ultra badge. Séquence breaking fun. Bah, on fera ça. L'ultra, ça doit être pour casser les gros blocs avec les grandes pondes. Avec les coups de cul. Coup de cul numéro 1, coup de cul numéro 2. Et voilà, maintenant tu peux sortir par la porte. Ah putain. Les bonnes refs. Oups, accroche-toi. Le lac qui tue. Qui est mort. Et ouais, pour l'instant c'est facile, mais je sais plus si à la fin ça se corse ou pas. C'est quand que ATL les 50 Fololo. Bah je ne sais pas, hein. J'ai pas encore mis l'argent pour les acheter malheureusement. J'ai pas encore mis l'argent. Mais ça viendra, ça viendra. Il est con ce boss. J'ai pas le même budget que vous. J'ai pas le même. Dire que je me rapproche tout doucement des 200. Ah bah forcément, t'as touché le chèque. Yes. Non mais un jour. Hein. T'inquiète pas, Zeldo. Ah si je peux te rassurer, depuis les 5 ans que Loulou il a pas tellement bougé. On est qu'à septembre le pauvre. Oui mais c'est pas pressant, hein. Puis bon tu t'en fous. Ouais un tu peu, vois. Hein. Oui voilà exactement. J'ai dit il suffit d'avoir de la chance, c'est tout. Kamen. Pour lui filer ton lien à Wizra. Bah ouais, Wizra, partage là. Fais tourner. Ah je vois pas du coup du tout de quoi vous voulez parler. Okay, c'est pas... Monsieur dénoté. C'est fort regrettable. Attends. Par là-bas, on n'est pas allé. Je vais me prendre tous les dégâts du monde. Hein. Fais n'importe quoi. J'ai ouvert la grille qui était... Je sais plus où. Au moins, elle est ouverte. Ça doit être là? Non, c'est pas là. Bon, on va aller là. Quoi? Ah, c'était pas prévu, ça. Ça fait des trucs bizarres. J'en fais encore? Oh oui, plus de patates. Oui? Bon, attends, j'en fais une dernière. Allez. Et la dernière... Qu'est-ce que ça m'ouvre? Putain, je t'ai pas vu venu dans la partie là du niveau. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il fait des trucs bizarres quand même des fois. Il fait la patate. La bico patate. Ah mais du coup j'ai perdu où c'est qu'il était le grillage. D'ailleurs aussi hier j'ai fait du Wind Waker en mode Mazer, je sais pas si t'as vu. C'est pas là. Bah j'ai pas regardé mais ouais j'ai vu que t'as fait un stream dessus. Et alors c'est bien passé? Ah oui c'était assez sympa. Je sais pas si t'as vu le clip qu'avait fait Lady qu'elle avait partagé. Non je regarde pas les clips, je t'avoue. Ah il est là le grillage. Alors, en gros bah du coup j'avais un skin, c'était un skin de Malone qui à mon avis a dû être rajouté il y a pas longtemps. Parce que du coup ça me disait rien ce skin. Et sur la phase avec le shard là, où t'as l'imitation du bruit de chat, à la place du chat, c'est un bruit de vache. Il était génial. Mais tu sais en plus je crois que c'était vraiment exactement le même bruit de vache que c'est dans Otir, je pense. Bah j'imagine qu'ils les ont repris. Et en termes d'items, c'était hyper bien foutu, genre la feuille mojo, c'était donc en mode ventilo, c'est Kojiro, la cocotte bleue. Malone. Et en mode paravoile, là, c'est les aliens de Majora's Mask. Ah, ils font du bon boulot quand même sur Reskin, faut le dire.
Sauf le Vati dégueulasse de Zelda, ça. Ah, ça, bah, je m'en remets pas. Couleurs, en fait, non, mais les couleurs, c'est lui qui les a choisies. Ah oui, non, mais je sais bien, mais il n'a pas de goût, quoi. Si tu préfères. Il y avait quoi? Il y avait le Skullhammer, c'était un épouvantail de Otis, ça c'était génial. Le petit Scarecrow. Ouais, tu mets des coups d'épouvantail. Et bah. L'épée de base, c'était une fourche, littéralement. La fourche de hauteur, hein, toujours. On l'avait appelée la Master Fourche. Il y avait quoi d'autre? Le Power Bracelet, c'était le truc Goron. Le bracelet Goron. Il y avait quoi d'autre? Ah, il était spécial, ton Vati, quand même, Zelda. Hein. Il y a les bots que j'ai reçus mais que j'ai pas testé. Donc du coup je sais pas ce qu'ils donnent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le bouclier miroir c'était le Ilian Shield. Il était bien foutu. Franchement. Un beau petit Ilian Shield. Mais le truc le plus cool, c'est le lion rouge. Faut trop que tu vois. Le lion rouge, c'est une espèce de charrette de vente de lait. Enfin, un peu comme dans. Enfin, le truc de Crémia, là? Ouais, un peu comme ça. Ou celui de Malone dans Minish Cap, un peu. Ouais, bah c'est la même chose, quoi. Ouais, à peu près. Bon, tu me diras quand t'auras tout coupé que je les laverai. Mais... Bon, du coup, en attendant, je vais repasser sur PC. Du coup, ça a décalé le petit saut. Ouais, vas-y. Ah, c'est dégueulasse, là. Je clique dans la plateforme et puis du coup il saute en retard. Et je me fais baiser par le lac qui tue. Voilà. Nettement mieux d'un coup, non? Le son est d'une qualité supérieure, on va dire. Effectivement. Du coup. Général. Ok, il y a des pièces ici, c'est bon, ça va. Du coup on arrive sur le stream. Et c'est bien le seul hack où je fais pas les 100 pièces en premier. Ça m'attriste un peu d'ailleurs mais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais arrêter de vouloir faire des long jumps là-dessus parce que c'est n'importe quoi. Ouais franchement le délai il est pas énorme hein, entre le. Ouais non il y a genre 3-4 secondes. C'est bien par rapport à d'habitude où c'est 30 secondes. Non mais c'était avec OBS Studio, j'avais pas le choix, les paramètres ils puent la merde. Ah, t'es revenu à la classique? Ouais, mais c'était juste pour RetroArch, j'avais pas le choix. Ah, que PC Engine, il y avait que sur RetroArch. J'avoue, je suis d'accord, Zelda. Donc, ne pas faire de long jump pendant qu'on est entre deux plateformes. Hein. Sinon, il aime pas. Même. Non, j'étais sur une plateforme, ça va, mais quand t'es entre les deux, il pète un câble. Oh my god, non! Ah, c'était censé. Ça s'est passé normalement, étonnamment. Heureusement, je pourrais pas finir les niveaux sans les badges. Du coup, on va juste se balader un peu dans les niveaux histoire d'avoir assez d'étoiles. Got skills. L'île de Dublin. He's too good at the game. Yeah. He's fucking good. Non, non, par contre, essaye pas de parler anglais. Bah, dis donc. Une fatigue, il me semblait qu'il y a un truc. Moi aussi, une fatigue. Il est bonk. C'est quoi? Il y a des trucs. Le Goomba là, c'est dégueulasse, je sais pas ce que c'est censé être. Où ça, les petits Goombas? J'ai oublié. Bah, les trucs qui se baladent sur la ville. Ouais, non, mais je vais en voir un là. Ah, les petits Goombas. Mais c'est les petits fantômes, je crois que c'est un truc dans le lore, mais je sais pas. C'est un truc dans le lore. C'est ils ont des skins un peu spéciaux à chaque fois dans les Star Revenge. Ouais, c'est surtout n'importe quoi. Les bonbons, c'est des petits chatons. C'est Toc Twomp. Ah par contre les trompes avec les lunettes, ça j'approuve. Non, c'est juste une vie. Parce qu'il y a un des ponts où il y a un truc, il me semble. Il se pète la gueule. On arrive en ville. Oh, c'est passé quand même.
on adore. Ça me rappelle tellement un moment dans, dans le let's play oui. De Star Wars de la des Ocarina Heights avec le bruit de Broly en arrière-plan. Elle m'avait fumé. C'est quoi ici? Autant en termes de montage, c'est pas les plus inventifs. Ils font des trucs très classiques, mais autant quand ils font des. Ça marche bien. Ça marche bien. Surtout. Ouais. Ah, il y a des pièces rouges. Mais en fait, des fois, Dami, surtout récemment, j'ai vu Dami, il se fait des petits plaisirs. Des fois, il rajoute des mèmes. Comme ça, des vieux comme des nouveaux. Hein. Franchement, j'étais étonné de voir des nouveaux mèmes parce que d'habitude, quand ils postent des mèmes, ce sont des trucs vieux. C'est souvent c'est du Zelda CDI ou du Mario Hotel ou des trucs comme ça. C'est peut-être au pont au début. Oh. C'est quoi le nom de l'étoile? Bones to the Trees. Et ben, on va remonter au même endroit du coup, j'imagine. Ah non, on peut aller là. On n'est pas allé là. C'est quoi, c'est Paper Mario la musique là, je crois? Bah écoute, j'ai pas le son. Ça doit être ça. Une étoile là-bas. Ah, le labyrinthe. On adore les labyrinthes. Avec les bombes Shulu-G. Ah, malheureusement, le son est trop bas donc du coup, j'arrive pas à entendre. Ah, c'est des secrets. Zelda même. Meme review. Ah, 3. Final, ça va. Hein. C'est très vomitif. Hein. J'espère que vous appréciez. On ne voit rien. Ah, c'est bon. Pas mourir au début, ouais. In the wood. Way. Wow, way. Il a dit c'était 7 étoiles qui manquaient, donc c'est 15 étoiles qu'il faut pour le premier boss. In the wood. Du coup, Bones to the Trees, toujours. Ah oui, ce qui est spécial aussi, c'est que dans Star Revenge, enfin, dans les remakes des premiers en tout cas, parce que dans les premiers c'était pas le cas, et dans les nouveaux, pour avoir. Ah, c'est pas là. Pour avoir l'étoile des 100 pièces, c'est 80 pièces et non 100. C'est quand même un peu moins chiant. Et les pièces rouges, c'est que 6 sur 8, mais il y a quand même 8 pièces. Ça, c'est un peu bête, mais bon. Et 80 pièces, c'est pas plus mal. Des fois. 74, ça aurait pas été plus mal. Hein. Oh, intéressant. Oh. Give me that. Ah, c'est bien, Zelda, il a la rêve du Huawei. Huawei. Enfin, il a l'air d'avoir la rêve. Non, parce que j'ai gueulé Huawei. Je vais le démordre que c'est trop casual. Oui, et bah écoute. C'est que Miss. Je vois que Miss hein, pour dire que c'est trop casual. Oui, je peux remettre du Tarzan si tu préfères. Hein. On peut s'amuser aussi, hein. Ça va, c'est bon, tu l'as 100%. Ah ouais, mais... ouais, il y a la version PS1 encore à faire. Hein. Non, celle-là, je la laisse à Loulou. Non, c'est non, il peut pas, il a déjà le code de la route à faire. Mais il y a les cinématiques. Oui, mais il doit faire le code de la route avant let's play. Ah, c'est là-bas. Puis c'est en se téléportant. Faut trouver un tunnel pour se téléporter là-bas. Oh, t'as rien dit, mais jamais. Joue à la 74 extrémiste. Ah, et pour ça, faut peut-être se réimprégner du gameplay quand même avant. Je sais pas si du coup, tu t'adresses à AD ou si tu t'adresses à moi. Mais dans les deux cas, techniquement, il y a tous les deux joués en soi. Oh, un rebondisseur. Le rebondisseur. Qu'il ne faut pas toucher, faut pas se déplacer pendant les rebondisseurs, sinon tu meurs. I guess I'll die, I'll die. Tunnel to the other island. Ouais, mais je sais pas pourquoi je mets un I avant alors qu'il n'y en a pas besoin.
pensais que c'est juste Guess How High. Parce que Mongolman. Attends, c'est quoi ce fait tricolore, il change vraiment de couleur là. Ou c'est en se déplaçant. C'est possible, c'est possible. Ah là, il change vraiment de couleur quoi, ce niveau de détail. C'est beau. Par contre, ça me dit pas où est le tunnel. Soit j'avais tout là-bas. J'adore ta bio à des... concernant Adenot Stream, Super Mario 64, Disney Tarzan et Dragon's Curse. Mais j'ai pas fait de bio. Ah, c'est Loulou son truc là. Non, non, t'as, non, t'as bio Twitch. Mais j'ai rien. Bon. Bah, super, regarde, les bio automatiques. Ah, si tu veux, je t'envoie ça, regarde. Ouais, non, mais ça doit être automatique. Mais pourquoi pas Twitch, hein. Si ça ils t'amuse. Acceptent pas les... Ils acceptent pas les trucs non remplis. Les petits cons, peuplage. Par contre, il est où le tunnel? C'est bien gentil tout ça, mais. Ah, d'ailleurs, du coup, je sais pas si t'as vu, mais j'ai changé mon horaire. Attends, ah, oui, t'as demandé à Loulou de mettre à jour, j'ai vu. Ouais, parce que normalement, la base était recordée d'aujourd'hui, mais en fait, bah, j'ai perdu ma save, du coup, fuck. J'ai fait, allez, vas-y, on va jouer à Dragon Quest, parce que surtout, en plus, ça avait l'air de hype. Ouais, bah t'étais avec RA Libre 3. Non, non, j'étais sur Desmio, mais apparemment j'ai plus de sauvegarde. D'accord. Les EMUDS, c'est vraiment n'importe quoi. Non, mais j'avais jamais eu ce souci. Hein. Je te jure, j'ai jamais eu ce souci, c'est la première fois que ça m'arrive. Bah, c'est un peu chiant quand ça arrive, quoi. Là, c'était des pièces bleues. Ça me dit pas où est le tunnel, hein. Si vous voyez un tunnel, criez, hein. Tunnel ! C'est comme Mulan, Mulan ! Terra libre. Ça, c'est quoi ? C'est chiant. C'est pénible, tout ça. Là-bas, il n'y avait rien. Ben, tant pis. Parce que j'ai vraiment... Ah oui, mais ça, c'était de l'autre côté. Bon, on va aller voir de l'autre côté, parce qu'au final... Ah... Je crois savoir, peut-être. Quelle idée de merde ils ont eu. Et oui, c'était ça la solution. Fin du jeu. On va dire que c'est... Ça semblait pas évident que ça... ça... Tu pourrais rentrer dans le trou là, quoi. Bah 8, allons-y. D'ailleurs, il est où le boss? Il doit être derrière la porte. Il doit y avoir un niveau 4 et... Ah, même un niveau 5. Même un rebondisseur. Qui nous mène au globloc qu'on ne peut rien faire. Alors, tu es de gauche ou tu es de droite? Je pense que le niveau 4, ça doit être le tuyau de gauche. Évidemment. J'avais pas le bon angle. Spooky like castle. Hein? C'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir fait il y a pas si longtemps que ça, ce niveau. C'est peut-être repris d'un autre des Star Revenge, mais rechangé. On va faire attention parce que on n'oublie pas qu'on est handicapé. As you may know, this bone safe thing will send you all across the river. So one thing to say about this.
Ouais, ça confirme le fait qu'il faut rien toucher quand tu les prends. Et une étoile. Toujours de droite. Ce qui est un peu dommage dans les hacks là, c'est que t'as des étoiles un peu trop souvent dans certains hacks, mais ça doit être le plus facile des Star Revenge, peut-être. Je sais pas, le 1, il semblait quand même plus dur le début. Bon, tu me diras, tu spawnais, c'était limite si t'avais pas déjà 3 morts des fois avec le chemin, comment il était étroit au début. Enfin, quand t'es nouveau au hack, parce que c'était un de mes premiers hacks. Super. La bonne nouvelle, c'est que c'est chiant de remonter hein, quand on tombe dans l'eau. Et en même temps, il doit y avoir des trucs sous l'eau, non? Putain, ça me fait trop rire, je suis en train de regarder un stream, du coup je discute avec les streamers, je suis ouais tout à l'heure avec un ami, on s'est amusé à faire un ASMR des pocheurs de patates, enfin en vrai ça doit être sympa en temps, on est en faisant. Ah bah ça. Ah je suis mort. J'espère que Loulou l'a enregistré, d'ailleurs il fait quoi Loulou, il a toujours pas trouvé sa mousse de micro? Il a gagné enfin fond du trou du cul. Parce que bon, comment dire que ça fait 30 minutes bientôt quoi. Oh bordel. Ah oui, je vois ta petite image. Enfin, la photo que tu m'as envoyée. C'est Louis super intense à propos de Voldemort. Non mais j'ai toujours su que c'était un peu une Voldemort dans le fond. Ouais, on parle bien de Nyx là. Ah, parmi, je vois pas de qui vous voulez parler. Oh, qui c'est? Tu sais qu'en plus, c'est quoi le plus drôle? C'est que le mec il est en train de faire un 100% de cash. Hein. Oh, quelle ouais, idée! C'est horrible. Mais en vrai, il a presque tout fini parce qu'il a, il a, il a, fait, il a battu tous les boss. Hier, il a terminé l'inconnu. Il est niveau 100. Il reste plus rien. Il aurait vraiment juste à faire les crafts pour Ultima. Il y aurait, je crois, un ou deux crafts à faire. Ouais, mais c'est quand même long, quoi. Bah, franchement, il a trouvé l'astuce maintenant pour fermer les bouts de mithril. Ouais, mais il y en a certains des ingrédients, ça, tu mets une heure juste pour une recette, ce casse-cou. Non, non, mais. Voldemort une dame si folle. Là, elle est assez forte la musique parce que c'est vraiment fort hein. Dans ce niveau. Allô. J'espère que vous ne devenez pas sourd. Ils sont devenus sourds. Allô. Attends, faut faire comme ça, il faut faire. Allez là, tu les as achevés, je pense. Hein. Tiens, gamin. Là-bas. Non. Ça fait toujours autant rire de faire faire saturer mon micro. C'est un gag classique, ouais. Classique mais efficace. Indémodable. Tout ce que vous voulez. Tu sais, c'est comme les niveaux Mario Maker courts mais bons. Oh oui. Beware, this could be an envy. C'est quoi une vie? Ah! It could be an invenor around here too. To go around it. Il est où ton mur invisible? Pas de mur invisible, vous mentez. Ah bah il est là. Oui. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un truc. Des fois ils ont l'habitude dans les niveaux de boss de mettre des petits trucs de main, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de schéma de chiant dans... Pour ce piège, ils ont même fait en sorte que les boss, pour le... quand tu dois les bestie, c'est que à partir de la pièce où il y a le boss. La révolution. La révolution du jeu vidéo gaming.
peut-être pas mourir, hein. On va y aller tranquillement. Et j'aimerais bien les pièces rouges quand même. C'est le début du niveau, ça, là-bas. Hein. Il y en a là. Non, quoique, je sais plus. Quand on est handicapé, faut faire des trucs bizarres. C'est quoi? Beat the boss of this stage and come back here. Talking to this door will kill the music. Est-ce qu'on kill la musique? Les petits My Little Pony qui sont recherchés, on ne sait pas pourquoi. On verra si on les trouve. Hein. Oh, il y a une pièce là-bas. Really. Bah, let's go. Et la sixième. Ah oui, du coup, les plateformes, elles reviennent pas. Ah, ça aurait été plus simple d'aller par là. Attends, mais elle est où l'étoile? Perdu étoile. Cable. Ok, bon bombe. Ah, c'est là-bas. Non. Ah, c'est revenu finalement. J'ai peur que la caméra elle devienne mongole. C'est l'heure du boss. Oh, je suis déçu, ça n'a pas marché. Ah, c'était... Ah bah, la musique est morte, voilà. J'espère que vous êtes heureux. Hey, you. It is you from the future of the past. Hey. Hola, qu'est-ce que tal? T'as trouvé ta mousse de micro? Ouh, ça fait longtemps. Non, je me posais des questions. Ça va, du coup? Ah bah oui. Oui, ça va. Attends. Si, si. Attends, ah, mais... Ah. Très bizarre, ce Mario. C'est juste que le boss a pas commencé, d'accord. Très, très bizarre, quand même, ce Mario, copain, je te dis. Mais pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il y a des couleurs de partout. Par contre, il y a l'arc-en-ciel, c'est joli. Je sais pas s'il y a un bestie sur le boss. Attention, c'est pas Miss Ebol, donc je pourrais le refaire s'il faut. Mais par contre, s'il y a vraiment un bestie, bah c'est insupportable. Attrape le bordel. Mais ça, c'est bien, c'était bien esthétique. Mais ils ont toujours une petite esthétique un peu bizarre. Hola, Keten. C'est le loup qui dit qu'il n'y a rien alors qu'il n'avait pas regardé, je suis sûr. Ah, bah il est enfin mort. Bon, j'ai pas lu. Ah, ça compte pas comme une étoile. Ah bah c'est malin ça. Vous vous croyez drôle peut-être. Je trouve pas ça très drôle. Non, est-ce que du coup je vais refuser le bestie tant qu'à faire. Rainbow Van Color. Si y a un Shimenzeldo immense. Ça va être insupportable. Et non. Heureux. Heureux. C'est dommage, t'as raté le jeu qui troll parce que c'est un connard. Non mais je regardais, t'inquiète. Ah bon, bah ça va alors. Non mais je regarde depuis le début que t'as stream, mec, c'est juste que... Ah mais je sais pas. Même que t'as récupéré toutes les pièces, les étoiles elles t'attaquent, les bombes chats, tout ça. Les bombes chats. Come at me, bro. Ah, il apparaît de ses balls.
Mais c'est vraiment insupportable, hein. Par contre, qu'ils aient mis un Bastide. Hein. C'est quoi un Bastide? C'est en gros le battre sans se faire toucher. Bon, là, j'ai un peu fait n'importe. Mais en fait, c'est genre le truc que t'as tellement pas dans le jeu, les boules d'eau là, genre, et puis elles rebondissent n'importe comment. Pourquoi il a mis ça? Mais pourquoi elle me touche là? J'étais pas sur la hitbox, hein. Je suis désolé, hein. Je sais pas si j'aime cette femme, tu peux m'aider. Hein. Ah! Mais depuis quand il m'avait attrapé? Ce que j'avais posé avant. Bah tant pis. Coup dur pour AD. Mais c'est pas grave, on va retenter le Bastide. Attends, qu'est-ce qu'il dit? I get warped when something for you. On va déambuler ensemble. Ah oui. Je vais vous offrir un déambulateur avec vos prénoms. Putain, mais ça commence déjà. Alors qu'est-ce qu'il dit? The Great Rainbow Bomb Van Color. Want to know what in the name of hell you are doing here? Yeah. I moved to this place after you messed around with me on an Osur. So you want to have the first switch? Well. Attends, comment ça il le... Ah, il y a un switch dans le niveau? Then my foot so hit. Come at me, bro, if you want me. My fuck balls. You. Il a dit my balls, hein. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Il parle de ses balls. J'imagine, oui. Moi, je dis, ça parle de ses couillasses. Jamais. Plus c'est... jamais. Tu dois le taper 3 fois, j'imagine. Je sais pas, tout à l'heure j'ai eu l'impression que c'était 4 fois. Je sais plus combien de fois ça fait là. Par contre, c'est vraiment super. Mais fonce ouais. Pas dessus aussi, t'es un peu bête. Mais je commence à peine à l'attraper que. Not again, have fun with that blue switch. Oh oui, I want to have fun with this blue switch. Mais non, mais. Eh, pas à chaque fois, hein. Bah, tu as déjà pris cette étoile? Non, non, c'est. En gros, c'est pour pas que ça compte. C'est pour faire l'équivalent de la clé, mais il a pas su refaire la clé, faut croire. Bon, en gros, ça me donne la clé d'avoir l'étoile. Heureux. 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 Ah, bah tiens, il y a l'autre, il est arrivé, il a retrouvé sa mousse. L'autre a un prénom déjà enculé. Oh. Ah d'accord. Il était pas méchant, hein. Eh, prends je pas sais. Mal, lui. Mais je l'ai pas pris mal, en fait. Je vais hyper bien, là. Tu vois bien que je suis hyper calme. Je alors, il a juste envie de te taper. Alors, j'espère que t'as apprécié le contenu qu'on t'a offert. Quel contenu? Ah oui, ben je vous ai envoyé un message, je m'avais fait rire, là. Pas possible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah, oui, l'autre qui était arrivé, il regarde depuis tout à l'heure AD, donc... Voilà. On peut exciter en étant en l'air. Trop bien. Bon, bah, du coup, on n'est pas allé dans le niveau 5, et ça, c'est vraiment cool. Le Voldemort hype est contagieuse, comment ça? Sinon, t'étais parti où, Wizrouille? J'étais en train de sécher mes frites pour faire la première cuisson. Ah oui, c'est vrai, le petit magicien, là. Qu'est-ce que... C'est dans le sang, la pomme de terre. Mais qu'est-ce que... J'espère que t'as apprécié mon ASMR d'épluchure de patates. J'espère que t'apprécies mon Kazooie, hein. Ouf. Le pauvre, il s'est pris un mur invisible. Ah, mais j'avais oublié que j'avais pas de wall jump. J'suis pas d'accord. Qu'est-ce que t'es pas d'accord, Lady Knows Over. Tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît? Arrête. Tu crois que t'es sur ton stream ou quoi? Mais arrête, elle est trop bien la musique. Bon bah... Ouais, bon. Attends, dans un niveau, il y a un niveau... C'est what the fuck? Mais j'étais pas dans un niveau, j'étais dans le E, mais c'était un peu bizarre. Je
pas compris. Mais... Ouais, dans le hub, il y a des ennemis. Bah, dans le jeu de base aussi. C'est n'importe quoi. Dans le jeu de base aussi, t'as des ennemis. D'accord, les fantômes et après Les fantômes. Les fantômes. Juste les... Il y a juste des fantômes, mec. Hein. Bah, c'est déjà bien. Il y a de l'eau aussi. Hein. D'accord, bah, ça change rien. Bah, tu peux te noyer. Hein. C'est bien l'eau, dans 30 ans, il n'y en aura plus. Père. Dans le hub, il n'y a pas des ennemis comme les araignées. Hein. C'est moi ou Myriam s'amuse à changer de couleur à chaque fois parce que... Non, mais c'est aléatoire c'est quand tu choisis pas. Et du coup, la caméra... Ah voilà, je pensais pas qu'on peut choisir. Tu peux. Si, tu peux, si. Moi, je suis toujours en rouge. Bah, comment t'appuies sur, si t'appuies sur identité de discussion, là, juste à côté de envoyer un message, le petit, l'espèce de petite étoile, là, tu peux changer de couleur. Couleur du nom et changer de badge. Je passe quoi. Vide-moi un mire. J'ai pas, moi, ça. J'ai envie de tester. Je vois pas de petite étoile. La roue crantée, tu veux dire? Regarde, attends, je te montre. Bah, les paramètres, ouais. Regarde. Non, attends, voilà, regarde. Merci, Adé. Non, mais le jeu, regarde, c'est de ça que je parle. Regarde. Je vais trouver tout seul. T'inquiète pas. Comme ça, tu comprends. C'est bon, j'ai trouvé, modifié. Mais regarde, mais viens voir au moins comme ça, tu comprends de quoi je parle. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé, mec. Mais je veux juste te parler de ça. Non, moi, j'ai pas envie. J'ai trouvé. C'est vraiment méchant. Par contre, du coup, attends, pour avoir plus de couleurs, faut avoir Twitch Turbo et puis quoi encore? Ah bon? Normalement, on est où là? Bah ouais, après les ventes. Apparemment, t'as changé, ouais. Parce que t'as juste ta rouge. Et ça sert à quoi Twitch Turbo? Rien. Je sais pas, j'ai vu le nom il y a pas longtemps passé, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je vais voir sur internet, c'est quoi Twitch Turbo. J'ai jamais vu. Garde ton argent, loulou. Non, mais je veux voir à quoi ça sert. C'est pas comme moi, alors... avec ma carte cadeau Twitch qui veut pas être utilisée. 15 balles. Bon, on se balade dans le niveau, hein, c'est bien. Ça sert à stream sans publicité avec exception limitée, badge de discussion, tes émoticônes exclusifs, couleur d'identifiant de chat personnalisé et stockage de diffusion étendu pendant 60 jours au lieu de 14 jours habituels. Oui. Juste pour ça. Oui, mais tu m'entends fort et puis c'est... À 9 euros. Ouais, mais personne ne m'entend fort. C'est ça le problème. Regardez les rodifs de moi. Les rodifs de moi, les rodifs de moi-même. Mais non, mais y'a. Je pensais plus au terme temporel, tu vois. Et ah, je peux pas. Du coup, j'arrive, je vais lancer ma première question. Cuisson, bah, j'en viens. Vas-y, vas-y. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Viens là, toi. Eh bé. Hello. Salut, Zeldo. Oh. C'est bien chez Voldemort? Ça va, l'amour de ma vie? Non, mais je suis pas chez Voldemort, calmez-vous. Enfin, j'espère bien pour toi. Ah non, je suis pas encore. C'est triste. Sinon, je ne viendrai pas. Oh, my lady. My lady. Ça va, Lady, tu peux partager en fait. Quoi? Partager possible, quoi là, d'être c'est possessif. Our Lady. Ah. Non, mais... non, c'est ma Lady. Ah, et moi, je suis quoi alors? C'est Malouin. Tu m'as oublié, c'est ça? Tu es c'est Malouin. Tu es voilà. Non, mais c'est bon. Je suis vexé. Je suis extrêmement vexé. Frit Frat Caverne. On avait construit quelque chose, Zeldo. Je suis très déçu. Il a tout gâché. Waouh, 480p en source. Trop fort, Adé. Quelque chose à redire, hein? Venez dans mon arène platonique. Il m'a dit comme une notaire. Au secours. Ah, il y a des rails de tram, c'est trop bien. Oui. Enfin, c'est une mine, quoi. Oui. Après, je sais pas, j'ai jamais pris le tram, je sais pas à quoi ça ressemble, même. VCR is a so-called ultra block. Eh, y'a une étoile, prends l'étoile. T'as pris le tram, Adé? Je vais pas prendre l'ennemi. Prends l'ennemi. Vas-y. Mais par contre, les étoiles, elles peuvent te prendre aussi. Je sais pas si tu l'as vu dans le premier niveau, mais les étoiles, il y a des étoiles qui peuvent te prendre. Mais je sais, mec. Elle te prend, elle te fait les enfants, mon frère. Et elle t'encule. Punir. Eh oui. Tout ça, tout ça.
Ah bah yeah, je suis déjà bloqué dans le niveau. Ah non, c'est bon. Ça a été rapide. Hein. C'est bon, c'est quand bon, je saute. Les balles, en fait. Au bout d'un moment, on se pose des questions. Hein. Bah faut y trouver, hein. Ah bah ouais. Faut être open, hein. Bah c'est une étoile que j'ai trouvée. si elle encule, y a pas d'enfant. C'est chill. Voilà. Quelque chose à redire là-dessus, Lady? Un commentaire, peut-être? Ah non, si elle encule est égale pas d'enfant, alors c'est chill. Bah, ça se trouve, elle a comment on appelle la... Ouais. Comment dit comment, la comment dit-on ça comment ça trouve, elle a une poche dans le rectum. De quoi? Il y a des trucs bizarres qui sont dites, là. Dans le rectum. Dans le rectum. Dilactamente. Hashtag la chaîne de AD banni. Hashtag je banni la chaîne d'AD. Pauvre AD. Ce serait triste. Hein. Tout ce comment j'ai rien signé de toute façon. De... Elle a raison, Lady. Voilà, Nirelia parle en connaissance de cause. C'est beau. C'est beau. Chill, ah. Je sais pas, mais bon. Ah, mais voilà. Bon. Ah bah faudra demander à Lady si c'est chill, hein. Moi je sais pas. Ah, c'est quoi chill? Ça dépend oh qui mon quoi. Dieu, les mains. De quoi qu'est chill? voilà, c'est ton la question, wesh. Bah, lis-le. Tant qu'il n'y a pas d'enfant à la clé, j'achète. D'accord. Interesting. Bonsoir, monsieur le ministre. Interesting, ah bon, bonsoir, ouais, personne bonsoir, répond à la question. Bon, j'ai eu un badge, mais c'est lequel, attends. J'ai réussi à trouver un petit trou dans mon agenda, je suis donc présent ici. Si c'est que dans l'agenda d'ailleurs, qu'il y a un trou, c'est pas l'ultra. T'as vu Zeldo, okay. Pour ton plus grand plaisir, ce soir, il y a... C'est... Deka. Des Q. C'est qui, lui? C'est Dragon Quest. Dragon Quest 9, tu connais pas? Si, je connais pas mieux. Et tu fais même pas un multi. C'est Dragon Quest, tu connais pas? Même pas une chine. Je connais Dragon Quest, j'ai joué quand j'étais petit. Ah, des trous dans l'agenda. Non, ouais, déjà, Quizra, il préfère jouer tout seul, là. Ah, tu sais, Dragon Quest. Bah ouais, pourquoi tu veux... T'as même pas proposé pour que les autres jouent. C'est qui premier à faire bouger les fesses pour qu'on joue tous ensemble? C'est moi, hein. Ah ouais, t'as même pas proposé pour Dragon Quest. Tu dégoûtes. Déjà, est-ce que j'ai envie de jouer avec vous? Non, je crois pas. Moi, je veux jouer que avec Zelda. En fait. Parce que tu vas pas jouer souvent. Non, mais je comprends. Oui. C'est comme ça, alors au revoir. Hein. Non, mais au revoir, Isra. Non, mais je parlais pas pour toi. C'était une boutade. Rigole, s'il te plaît. J'ai rigolé. Voilà. Ça fait plaisir. Fuck you, putain. Alors... Du fac, Lady a entendu ce que j'ai dit. Pauvre Lady. Pauvre Lady. Lady knows war. J'aime bien comment elle dit Lady, son propre pseudo. Oh, Lady, j'ai vu tes TikTok, ils sont pépites. Hein. Je suis trop fan. Ah. Ils ont quoi ces TikTok? Moi, je m'abonne. Hein. Je vais aller m'abonner. Yébé. Qu'est-ce qu'elle a ma prononciation? Qu'est-ce qu'elle a ma prononciation? Elle est magnifique, je trouve. On aurait tous parlé québécois. C'est sous-sex. C'est ouais, sous-sexy, mais... moi ça m'excite. Mais si tout le monde parlait québécois, ça perdrait de sa magie. J'avoue. C'est vrai. Non, mais les gens uniques devraient parler québécois. Et moi, je suis unique, pas vous. Parler comme un robot. Oui, du coup, dis pas, on devrait tous parler québécois. Mais je parle de tous nous. Tous moi, quoi. On prend tout. Comme seul ça, les à la même façon les que élus. Voilà. Seuls les élus. Et vu comme t'es parti comme ça, t'es pas prêt d'être élu, mon con. Ouais, bah ouais, bah, tu me donneras tes critères. Bouh, il est pas élu. Bouh, il est élu. Non, je rigole. The second overwar. On va faire des potes. Ah, la lave, les Cuxen et les Pits. Et celui qui sera élu se fera entraîner par Lady Nozor. J'accepte que cette personne peut être une élue, te ferait passer le test pour devenir québécois honorifique. Trop de chance, loulou.
Moi, je veux les papiers maintenant. Fais attention, il n'est pas facile le test. Hein. Les pour papiers être train, pour être en train de le passer, il n'est pas facile. il est pas gratuit non plus. C'est comme le test pour venir aux États-Unis. Et non, viens, Irélia, viens passer le test avec moi. Là. Tu vas voir, c'est très très drôle. Oublie pas, Loulou. Ça sort un test, apparemment, il est au Québec aujourd'hui, donc c'est qu'il a réussi. Non, c'est surtout qu'il t'as le droit de rester. Pendant un certain temps. Pas, Loulou, si on à, cause du à cause du Covid, non, sinon je serais déjà parti. Hein. Jamais je pourrais la placer en cube. Non, non. Bien sûr, mais mon test est mieux que celui du gouvernement. Ah, parce ah merci Lady. Est-ce qu'on peut faire un échange, Lady, faire que ton test soit officiel? Est-ce qu'ils volent un peu moins? Mais ça donne juste. Ça. Est-ce qu'ils sont moins magouilleurs ou bien. Ça se trouve, sur Lady, il est plus magouilleur, hein, tu sais pas. Ah, ça. Alors ça, on aime les murs invisibles. Ouais mais parce qu'il faut la casquette d'invisibilité. Il y en a encore des qui disent que Vincent Tête, c'est le meilleur Mario 3D. Hein. Mais non, mais il y avait même des étoiles invisibles. Le meilleur Mario 3D, c'est Sunshine. Bah oui, c'est évident. Liquez-vous. Mario Sunshine. Non, en vrai, les meilleurs, c'est les galaxies. Je reviens, je vais sortir mes frites. Pas du tout. Vas-y, sors tes frites. Vas-y, mon belgicien, va sortir tes petites. Tu te fais une mitraillette? Oh oui. Vas-y, Loulou, mitraille. Oh oui, mitraille-moi, Loulou. La tête va aller. Oh oui, avec Zirplay. Avec Zirplay, alors ça, je l'avais pas entendu. Attends, c'est l'Overworld de Banjo-Kazooie, c'est terrible. Va falloir la dire à Flicky. Ça fait mal, il était connu. Bah d'accord. Oh, cette musique des cauchemars. Banjo-Kazooie, quoi. Okay. Oh, c'est bien ce qui me semblait, c'est la mort. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais Adek chante tout le temps. Mais tout le temps quand il est concentré, genre. C'est incroyable. Mais moi aussi. Bah, ouais. C'est justement, c'est quand je suis pas concentré que je chante, je dirais plutôt. Ouais, moi aussi, c'est quand je désespère que je chante. Voilà. Ouais, comme franchement, chaque fois que tu fais quelque chose, Adek, tu chantes. Bah, c'est parce qu'il fait jamais rien avec attention. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Et oui, là, ça répond à ma question. Qu'il est con. Ça pique, hein. Tu peux pas juste long jump pour aller vers la pièce rouge là-bas, au lieu de faire le kéké. Voilà. Écoute, les long jumps, ça marche très bien. T'as de la chance d'ailleurs qu'il est pas en dick et qu'il sait faire des long jumps, hein. Ah bah là, genre. Long jump. Mais comment ils ont pu faire ça si ça existe pas dans le vrai Mario? C'est ça que je comprends. Comment ça? Ils ont dû tripler. Ah, les fleurs. Enfin. Ah non, mais c'est juste en fait, c'est des fleurs, mais c'est une texture transparente. Et en dessous, il y a de la lave. Non mais d'accord, mais même les textures qui existent pas, les étoiles bleues, il n'y a pas d'étoiles bleues dans Rayo Mario. Bah, si tu changes la palette de couleurs. Oui, tu changes la couleur, c'est ça, bon. C'est pas dur, la palette, et ça le P, va. Il n'existe pas ce P. Bah non, c'est les blocs. Bah, c'est même des pièces bleues, mais ils ont changé la texture, ouais. Mais il y en a ils des blocs à couleurs. Avec Paint. Qui Paint? Ah oui, Paint le logiciel. Paint, le il logiciel, est... bien sûr. Casé, il fait ses niveaux avec Google SketchUp, donc partant de là. Ouais, bah ouais, ah ouais, là, il adore le ketchup, hein, je te le dis. Ah, c'est horrible, Google SketchUp, hein. Pire voilà. Jeu de mots ever. Ouais, quand on faisait en 5ème, en cours de techno. Ah là là. Et encore, c'était déjà pas drôle en 5ème. Ah, il l'a dit en plus, il l'a vraiment fait en prof. Ah non, pas le prof. Il y a un minimum de mentalité. J'ai donc la mentalité d'un enfant de 5ème. Tout le monde y a déjà pensé, mais re-wizera du coup. C'est qui Paint? C'est Paint. Paint Van Gogh. Paint Van Gogh. Tu devrais connaître ça, c'est belge, Wizra. C'est Paint Magritte. Van Gogh, il est belge? Oui. Bah, d'où tu penses qu'il était aussi fêlé? Ah, c'est pour ça qu'il devait bien venir quelque part. C'est pour ça qu'il s'est coupé les lobes d'oreilles. Ah ouais. Ah ouais. Enfin non, c'est même l'oreille entière, c'est l'oreille entière, je crois même. Non non, c'est l'oreille entière. Oui. Ouais, oui. C'est l'oreille entière. Gros parce que je l'ai revu récemment en cours d'histoire de l'art. Ah bah ça c'est sûr qu'en histoire de l'art, on le voit. Il est comment? Il ressemble à quoi? Bah, il est sexe. Je vais t'envoyer une photo. Au sexe, j'aurais pas dit ça quoi. Mais... Pourquoi il y a un symbole de chat par terre? Bah, bonne question. Ah, c'est peut-être un war. C'est Mario 3D World. C'est une bonne question, mon con. Ah oui, mon con. Franchement. Voilà. À tes souhaits, ma chère. Merci. Ah, merci, ma chère à dénoter.
petite tasse de thé. Comment ça? C'est de faire quoi? Bah, prendre des étoiles. Visiblement. Non mais, ça sert à quoi dans le jeu? Ah d'ailleurs, bah... je veux trop T'as joué à Mario ou... De quoi, de ta manette? Non, de l'overlay. Bah. De l'overlay, quel overlay? Pour le stream de Dragon Quest. Mais c'est juste pour débloquer les niveaux, pour des étoiles, quoi. Bah regarde. Je sais. Il est où? Je stream sur Discord. C'est trop tard, t'as posé la question, je réponds. Bah nique-toi alors. Tu me dis quand t'es dessus. Okay. Ouais, j'arrive. Et attends, et en fait, il y a un gros truc parce que normalement, je sais pas si tu te souviens, mais le focus, enfin pour les trucs importants, des fois c'est sur l'écran du bas, donc du coup, j'ai pris le coup, regarde, je peux faire ça. Ah, ça c'est bien! Loulou, essaye de faire de l'air. Et si tu passes du coup. Pour moi, la dernière pièce rouge. Non, c'est juste avec une touche raccourcie de les murs. En fait, tu captures les murs en deux. Non, on recharge dans les arbres. Non, c'est bon, je l'ai trouvé. Si la voiture, je l'ai trouvé. Pour Zelda, c'est super utile. Mais c'était une pièce verte, ça, Loulou. Moi, je faisais deux scènes différentes, mais là, j'avoue que ça va aider. Non, c'est juste qu'ils ont changé la couleur. C'est vachement bien. Tu pourras faire pareil aussi sur Twiwi en vrai. Oh, ouais. Twiwi! Le jeu qui n'a jamais continué. Ce jeu qui n'a pas continué. Mais voilà. Et qu'il a fait deux RA dessus. Parce que s'il le fait pas, ça va s'est passé. Bah, déjà qu'il l'a fait quand t'étais pas là. Ce jeu qui continuera. Si, j'étais là, non. Comme ça, vu que t'étais pas là. Si, j'étais là. Je sais pas, parce que quand il l'avait fait. Il était là. C'est juste qu'il s'est endormi à un moment et qu'il a raté la fin. Non, c'est pas ça. C'est en fait, j'ai raté les dernières minutes parce que j'avais plus de batterie sur un téléphone et que j'ai dû changer. Ah bah, bravo. Genre, en gros, j'ai juste raté le débrief, quoi. Oui. Le débrief, je viens pour le débriefing. Pour le débriefing. Débriefing, ça, c'est pas mal. Tiens, va en dessous, Adé, il y a des pièces. Oui, je vais y aller. Ouais, je fais un peu le tour, ensuite j'y vais, ouais. Ça rappelle cette étoile dans 74, où tu dois te laisser tomber dans la lave, et il y a 5 pièces à prendre. Ouais, sauf que là, c'est en mieux foutu, tu vois. Ah bah, tu verras si c'est mieux foutu, parle pas trop. Bah, là, c'est pas de la lave, donc non, j'ai pas envie. Ose me dire que 74, c'est mieux. Ça aurait été de la lave. 74, c'est de la merde, mais ça a été designé exprès pour être de la merde. C'est pas juste du hasard. C'est pas qu'on casait une manière qui fait un jeu, des mécaniques de fou, mais qu'elles sont mal faites, en fait. C'est pas parce que tu l'as fait exprès que ça t'excuse, genre... C'est comme si tu disais, ça t'excuse, ça t'excuse d'avoir tué des juifs parce que tu l'as fait exprès. Mais ça n'a rien à voir. Alors le truc en plus, c'est que j'ai pensé à la même chose, mais on parle quand même d'un jeu vidéo. Calme-toi. Ils ont fait un open world pour faire un open world, du coup, bah ça s'excuse pas, c'est de la merde. Parce qu'il y a rien dans le jeu. Ah bah super. Ah bah voilà, bah bravo hein. Belle mentalité, c'est ça comme, monsieur. C'est comme de dire dans Breath of the Wild, bon ils ont fait exprès pour mettre beaucoup de musique, okay. Donc c'est de la merde quand même. Hâte de me manger un mur invisible. Mais c'est vraiment de la merde en fait. Sont les murs invisibles? Montrez-vous. Où sont les murs invisibles? D'ailleurs la j'adore la carapace rouge. Combien de temps, Adé? C'est à l'infini. Enfin jusqu'à que je me pète la gueule et que je meurs dans les sables mouvants. Ou bien appuie sur Z. Oui. C'est des sables mouvants ça ou c'est du feu? C'est des sables mouvants, comme je l'ai dit. Des sables mouvants. Du sable mouvant ou du feu? C'est de la lave. D'accord. C'est de la lave ou du sable mouvant? C'est de l'eau. C'est mon cul. D'accord. C'est de l'eau ou c'est du sable mouvant? J'ai vu la pièce. C'est du feu, d'accord. On dirait un enfant. Mais ça me des enfants. Oh, il y a une pièce là de l'autre côté, j'ai tout vu, Adé. Oui, mais je l'ai vu aussi. Vu. Là, il scanne contre le mur, là, c'est très drôle, par contre, s'il fait ça. Ah bah, le pire, c'est que ça peut arriver. Oui, avec la caméra, rien n'est impossible. Bon, ce qui est bien, c'est que je sais pas où est l'étoile, mais à mon avis, elle est là-bas. Mais si, c'est là où t'as trouvé la carapace. Tu te souviens, dans 74 AD, ce niveau de la ville avec les pièces rouges, dans le truc en ravin, là, le niveau 5, avec la carapace. Ah, tu te rappelles de ça, comment c'était? Bah ouais, et puis des fois tu tapes le coin parce que c'est des angles à 10 degrés. Ça c'était vraiment... Bounce and shot. Mais n'empêche, tu me diras quand tu feras la fin, j'ai fait la fin et honnêtement, t'es pas prêt. Hein. Bah, Fudino et Veneno, t'es vraiment pas prêt. Faut se rentraîner quoi.
Ah, c'est incroyable. Ça fait 6 mois que j'ai pas joué au jeu, donc... Oh non, non, là oui, il faut reprendre en main, t'inquiète. Là, pas trop envie. Hein. En main. De toute façon, moi, le jeu, je l'ai enterré, je le referai plus. Hein. Comme j'ai dit, je joue à... Quel jeu ? 64, là, l'enfer ? 74, l'enfer. Que je jouais, là, tu te rappelles, peut-être, le Wink ? Oui, le jeu de l'enfer, je me rappelle. Ouais, le Enfin, le double E. C'est comme ça qu'on prend pas de dégâts de chute. C'est là qu'on a connu Hiruma, d'ailleurs. Oui. Qui a des nouvelles ? Parce que moi j'ai aucune nouvelle. Moi j'ai pas de nouvelles. Il joue à League of Legends. On en a parlé il y a pas longtemps en plus de Hiruma. Oui, j'ai Hiruma. Vu, il joue à League of Legends. Et... Ah, j'arrive pile au bon moment, on parle de Hiruma. Bah oui. Bah ouais, je voulais savoir si quelqu'un veut des nouvelles. Non. Bah non. C'est jamais. Sais que, je sais que des fois ça lui arrive d'être actif sur un serveur d'un mec. C'est bon, j'ai trouvé, c'était quoi le truc du chat ? J'ai pas plus d'infos. C'est quoi le You will see, you will see. Le dernier truc que j'ai vu de lui, c'est lui qui a posté une photo de bouffe. Nice. Ça va, alors s'il pose des photos de bouffe, c'est qu'il va bien. C'est qu'il est pas mal. Moi, il se nourrit. Mais j'espère, franchement, je le souhaite parce que je sais qu'à un moment, ça avait pas l'air d'aller. Qu'il se nourrit ? Non mais pas ça. Par la manière générale dans sa vie, ça avait pas l'air d'aller. Ah, faudrait que j'envoie mes APV, lui en donne des nouvelles. Il me le faut. Bah, franchement, en vrai, je vais y aller maintenant. Parce que franchement, ça m'inquiète, j'aimerais savoir un peu plus. Demande-lui. Demande-lui de notre part à tous. Ouais, pas que toi là. Ouais. Égoïste. Ouais, parce que... voilà. Bah, y'a pas de soucis. C'est moi qui ai posé la question, je te rappelle. Allez, plus vite. Ouais, c'est ça, tu dis, Loulou, il demande des nouvelles parce qu'il parle de toi dans le stream et il veut savoir, voilà. Allez, dépêche-toi là, Wizard. Dis-le, Queen, ask you. The Queen est égal me en fait. Ah d'accord. Ok. Oui parce que vous êtes mes esclaves. D'accord. Et Lady et moi on règne sur vous tous. Mais toi tu es ma secrétaire, ah, d'accord. Voyons. Ok d'accord, j'ai compris, je comprends le principe. Sois pas jaloux, on va se marier avec Lady Nozo. Ah bah d'accord. Mais c'était le plan. On fera une place. Mais c'était le plan de Zeldo, bordel. On va marier à faire 3. Ouais, je sais, j'ai volé le trône. Tout ça pour devenir québécois, Loulou, c'est ça? Oui. Ça va pas te donner l'accent, hein, jaloux, tu sais. Tu sais, c'est l'histoire du roi jaloux, là, qui détrône le roi, l'autre, et tout. Enfin, bref. Une vieille histoire. Ok. Ça va finir en omelette. Oh, oui. La pauvre les dinosaures, elle va être perdue. Oh, ça va, allez. T'as l'air fou, t'as l'air perdu, t'es là. Oh. Oh. Ouais. Non, je vais vérifier c'était quel badge, mais c'est bon, c'est le bon. Oh, c'est le wall jump. Oui. Donc tu as eu un rétro achievement parce que tu l'as eu avant le triple jump. Non, c'est avant le triple jump, avant l'ultra badge. Parce que les badges ça donne des jumps. Bah en fait je pouvais pas faire de saut contre le mur en fait. Parce que Mario est handicapé dans ce jeu. Oui. Mais c'est n'importe quoi. Bah oui. Ah bah il écoute pas. Ça quel plaisir. Bah non je savais même pas. Zeldo, faut pas me dire ça. Hein? What? Non mais regarde pourquoi. Oh non, non, il a pas... Oh non, pas ça. Pourquoi il y a des portes là-bas, là? Ça, quel plaisir. Loulou, comment on va aux portes? Les portes, vite. T'as pas vu les portes? La porte de l'enfer. Mec, je sais pas où il y a une porte. Il y a que toi qui vois des trucs que je vois pas. Elles sont là, les portes. Ça me fait je peux pas y aller. Je vois des choses que personne ne voit. Mais ouais, c'est Mélida Gordon, AD. Mais... Dit, pas tu vas pas me dire que tu les vois pas, là. Puis du coup, les nouvelles de Hiruma... Non, c'est moi qui les vois pas, toi, tu les vois. Donc du coup, t'es Mélida Gordon... Ah oui, là... Attends... Bah c'est un mur, frère, ça. Je vois pas où est le problème. Non, c'est une porte qui peut s'ouvrir. Ah si, je sais. Fais droite-gauche, là, sur les murs. Ah ouais, si, tu fais, Ah oui, vas-y. J'appuie dessus. Ouais, le... Ouais, je vais sauter dans les briques. Insupportable. On dirait un chien. Battu. Ouais. Ouais, carrément. Battu. Ouais, tout à fait. Zeldo battu. Zeldo battu. Zeldo. Tant à Belgique. Mais il a été bloqué apparemment. Genre, il est super en du cul. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais? Fais droite-gauche. Tu peux pas sauter au-dessus du mur? Bah. Ça marche pas. Alors, au-dessus du mur, il y a des briques.
Pourquoi tu dois te mettre dans un angle pressé ou des escaliers pour faire ça. Oui, non, mais merci, mais regarde, quand je recule, il n'a pas de vitesse. Perm. J'ai toujours su qu'il était nul, mais à ce point. Allez, tu peux le faire, you can do that. You can do that. My man, my boy. J'espère que t'aimes lui. Oh, la belle distance d'affichage à 64. On a le temps de l'apprécier grâce à ça. Oh oui, joli, joli bloc. Bah tu vois, le mien a disparu, maintenant je peux y aller. Merci. Le bloc a disparu, mais tout ça. Bah yes. Au secours. Oh putain. C'est bien, Loulou, c'est bien. Ah, il était là. Ouais, mais moi, les marrons sont gardés, les trucs comme ça, où c'est pas le vrai. Ah, les bails ainsi, ouais, c'est trop vieux, là. C'est trop vieux, non, c'est trop neuf pour lui. Le canon. Ah, c'est ça, le chat. Oui. Le chat. Ah bah voilà, je m'en doutais bien, en plus. Bravo, Louis. Bravo. C'était pas prévu, mais... Ce talent, j'ai dit que c'était le canon. On voit que le mec, il a juste appliqué un vieux PNG sur le bonbon. Bah, tu sais, les arbres, ils sont pas mieux, donc... Ça changeait la texture. Oui, mais toi, t'es une Nintendo, tu vois, mais c'est pas le... C'est pourquoi pas tu le... te plains, même? Genre, qui t'a dit que t'avais... Oh, on peut faire des 3-6 avec le canon. Je suis déçu. Trop bien. Il aime bien se plaindre. Bah, on pouvait avant, c'est ça que je comprends pas. C'est l'Europe? Non, on pouvait pas. C'est toi qui parle. Sur DS, on pouvait. De quoi? Faire quoi? Bah, les 360. La 360 Non. Non, c'est bloqué, l'angle. Non, en vrai, je crois qu'on peut, hein. Mais lui, il l'a fait sur DS il y a pas longtemps. Non, oui, je pense pas qu'on puisse, sinon ça m'aurait frappé. Oh, des lui. Mais waiting. Moi, à la revanche, ce qui me frappe, c'est qu'on peut pas, justement. Donc. Bon, faut trouver le bon, hein, évidemment. C'est celui-là. Ça devait à quoi, là? Bah, en fait, je dois trouver le bon bumper qui m'emmène en haut. Un rebondisseur. Un bumper. Ça se trouve pas en haut, celui-là. Hein. Ah bah celui-là non plus. On se fait chier quand même. Ça va, dit de nous spoiler. Ça va être le dernier, bien évidemment. C'est le dernier boss. Parce que sinon c'est pas drôle. C'est le dernier boss. Ah bah dis donc. Oh, le piano. Prends l'étoile. Le piano. Jouer du piano, Dave. Take the stars. Bah non. Je vais me faire manger sinon. Take. Bah voilà, je me suis fait manger, voilà, bah super. Arrête de faire ta timide. Super. Ah bah oui, tu t'es fait manger. Nom. Bolt and shield. Explore the old grave. Comment ça, Wall Bay? Explore the old grave. Ah. Et j'y suis déjà allé, putain. Wall Bay. Déjà, on dit pas putain. Pute. Allez, explore la old grave. Oh, encore. Attends. Et du coup, dans ce jeu, est-ce qu'il y a les Metal Cap, Vanish Cap et tout? Oui, ils y sont. Ah, donc il y a aussi les Switch en plus des badges. Ouais, le premier, c'était dans le premier boss. En fait, En fait, c'est les... Mais jamais. Les boss, ils donnent les clés pour les caps. Cap, il me semble. Mais jamais vous verrez du Mario 64 sur ma chaîne, jamais. Non, quoi? Ça je sais, Louis. C'est trop vieux. Tu fais Tarzan, c'est quoi le problème? Je sais pas, ça me saoule. Le pire c'est qu'il a dit ça, mais il me semble qu'à un moment on devait censé faire du Mario 64 multiplayer, hein, il avait demandé en plus. C'est un jeu online, non? J'ai jamais demandé déjà à faire du Mario 64. Si, il me semble, en plus on avait, c'était prévu. Bon. Si c'était ça, hier. Je me souviens. Moi j'ai jamais demandé à le faire, moi. Moi non plus. Mais pas toi, mais toi on s'en fout. Toi t'es un gros. Ah bah, d'accord. C'est impossible, Wizra, parce que à quel moment je t'aurais demandé de faire du Mario 64 alors que je ne joue même pas dans 64. Ça me dit non, c'est moi, je t'ai demandé, tu m'as dit ouais, t'as, ça a l'air cool. C'est gentil, Wizra. Ah oui, c'est ça, voilà, c'était voilà. Ça. Ah, et Loulou, il demandera jamais de lui-même, non. Oui, il a jamais demandé de lui-même, c'est vrai. Même du multiplayer, que ce soit pour Zelda ou quoi, ok. Oui, mais t'avais dit que t'étais intéressé. Ça change, et on était censé le faire.
et on était censé le faire, et finalement ni toi ni Zelda vous étiez venu parce que Zelda avait dit qu'il viendrait. Si tu l'as dit. Et j'ai joué tout seul avec Wizra pendant une journée entière sur son Star Ouais, Road, et, on a joué, et, on a joué à, et on a joué à Star Road finalement. J'ai pas souvenir de ça. Je m'en souviens très bien, j'ai une très bonne mémoire pour ce genre de trucs, donc vous pouvez pas dire quoi. Voilà, j'ai une bonne mémoire pour les trucs de merde en fait, c'est ça qui est bien. Non, j'ai une bonne mémoire quand ça m'intéresse. Quand ça m'intéresse pas, je zappe. Ouais, bah faut croire que tu t'as pas une bonne mémoire parce que t'as oublié que t'en avais pas. Ouf. Je rigole, oui, je rigole. Non, arrêtez de faire honte, vous aggravez la situation et après il est encore plus vexé. Trop chiant. Oui, merci, mais. Perspective. Perspective, man. Faut jouer mieux, AD. Franchement, j'ai confondu le gris avec le gris et je me dégoûte. Le gris avec le gris, bah voilà. Ah, t'es d'accord. Franchement. Je suis une femme de couleur, hein, tout ça, tout ça. Oh non. Oh non. Et moi, je suis quoi alors? Je suis pas une femme de couleur. Oh non. Il y a un loup de couleur. Ce qui est très bien en soi. Ça, c'est drôle. Mais il est pas de couleur. Oui, une couleur. Bah, parce il est. Alors, le blanc, c'est pas une couleur et le noir non plus, donc vous vous calmez. Par contre, on parle mieux. Bah le blanc ouais, c'est pas une... bah, le blanc c'est pas une couleur, je suis désolé. Hein? Le blanc n'est pas une couleur. Si, blanc et noir c'est une couleur. Non. Si. C'est la couleur de ma baffe dans ta gueule si tu me dis non. Bah non du coup. Ah c'est la couleur de la fille qui a pas de foutre dans ta sa bah, gueule. En fait. Et là, Loïc s'en va. Loulou, le souci que le blanc, c'est que c'est pas une couleur, c'est que c'est toutes les couleurs en même temps. Il parle à Dijon. Mais toutes les couleurs en même temps, ça te fait du blanc peut-être? Bah oui. C'est le principe de la lumière blanche. Au secours. Au secours. Non mais on a trop de dire au secours là. J'ai raison, vous avez tort. Chut. Aucune couleur. Excuse-moi, j'ai pas de cours de physique. Non, tu n'as pas de cours de physique. Parce que tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas de couilles de physique, quoi. De couilles de physique. Pourquoi ça revient aux couilles, là? Bon, ah, j'avais compris, j'ai mal compris. Mais qu'est-ce que t'as fumé encore, toi? Non, il doit être en manque, le pauvre petit Zelda. On va l'aider, non, je crois. Non, jamais. Jamais. Bon, ah, ça va, alors. Parce que moi, oui, en fait. Et tu me gars. Ah, ça, écoute, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai eu l'étoile. D'accord, au moment où t'as eu l'étoile, mon ordinateur l'avait fuck. Du coup, Chromie il a dit non, je me casse. Du coup, pourquoi tes tuyaux sont rouillés? Hein? Ah, c'est le VB là. Faut. Non, le c'est le UB. Le Virtual Boy. Ah, c'est le UB. C'est le Uber Badge. Oh salut! Ah, tu voulais que c'est Sony Link? Oui, voilà, j'avais raison. C'est Sonic Link! Joli coffre en fait, comme Link. Reprise de Toad là. De Adèle. Coup, j'ai une réponse. Ah, nice. Alors, il m'a répondu, ouah, quel plaisir. Eh bien, je vais bien, je taffe à fond ma formation pour passer le permis dans ce moment. Oh. Le fait que je vogue plus trop et que je stream plus. J'espère que vous allez également tous très bien. Oh, et ben, je reviens. Très bien. Ah. Non, moi, mais du coup, regarde Louink, tu n'es pas ça seul. Ça veut dire qu'il a le code. Bah lui au moins il a le code. Mais non, c'est peut-être le code qui essaye de passer. Bah, il parle du permis. Formation du permis. Bah ouais. Ça veut dire qu'il a le code en fait. Ah, formation quand tu te permets. Bah, dis le code et le pratique. Le permis. Bah, oh là là. C'est driving license. Du coup, je suis grave déçu. Bon, bah sois déçu alors Louink. Bah oui, parce que j'arrive même pas à avoir le code. Non mais tu vas l'avoir au bout d'un moment. De qui est Iruma, Zelda ou toi? T'inquiète, moi non plus j'ai pas le code et je m'en fous de toute façon, donc voilà. Non, mais toi t'habites en Québec, c'est pardonnable. Bah non du coup. Le code j'ai essayé de le passer deux fois en Belgique, je l'ai raté deux fois, donc voilà. Il est obligé de marcher 5 minutes pour aller au boulot, tu te rends compte? Bah oui, tu te rends compte, il faut que je marche 5-10 minutes. C'est inacceptable au Québec. Ah, il faut absolument que je roule en voiture 2 minutes à la place. Lui qui met plus de temps à la chauffer la voiture. Oui, ouais, en plus pendant l'hiver, c'est le temps de marcher limite. Quoi? Non. C'est que t'as trouvé un travail? Mais où c'est qu'il travaillait?
Bah je travaille là. Enfin, mais... il a un travail, mais il a pas le droit de travailler. Je suis toujours employé, ah ouais. Hein, mais j'ai pas le droit d'exercer mon emploi. Ah bah, je suis toujours employé. Je sais pas si vous avez répondu du coup pour le message. Bah, on a dit que moi j'allais très très bien en tout cas et qu'on était bien content que ça aille très bien pour lui également. Et on lui souhaite tout du courage pour qu'il passe. Le bonheur du monde, on lui fait des bisous sur sa fesse. Sur et sa fesse. Il dit qu'il se sent noob parce qu'il n'arrive pas à avoir. Il est pas monofesse, que je sache. Bah, il faudrait que j'envisage un jour. Oh, il y a le temps. De toute façon, il y aura la montée des eaux, il y aura plus de route. Je plaisante, toujours sur les c'est que j'aime bien tomber. Bah, en fait, le but, c'est. En fait, le principe, c'est qu'il y a des Ashimon qui disent d'avoir les fausses étoiles. Par contre, pourquoi il veut pas rebondir, ça, je comprends pas. Sur les murs. C'est quoi, c'est le set bonus? C'est du set de base ou du set bonus? Bah, ou d'aucun des deux. Ah, aucun des... D'accord, tu le fais pour le plaisir. Bon, bah... Bah, non, mais c'est un hack. Oui. Il y a pas de set bonus sur les hacks. C'est pas moi qui posais la question, je suis au courant. Bah, on se demande, hein. Bordel. Ça me saoule. Bordel, normalement c'est bon, ça suffit là. Non, mais... Arrêtez de faire non, chier. Non, moi je parlais justement des sets des achievements. Bah, bien c'est sûr. Le set moi, du je hack. Pense... Moi je parlais des sets de cuisine pour ma part. Elle est bonne celle-là, Zalo. Set bonus de cuisine. Pute. C'est cool l'air, hein. Sur ce jeu en tout cas. Trop tard. C'est cool l'air. C'est bien de la merde, hein. Après, on va s'enchaîner sur un petit bestie de Vati, là. Oh, petit bestie de Vati. Pour le plaisir, hein. Oh, ouais. Pour le plaisir. T'as déjà essayé, Loulou, Vati, sans se faire toucher sur Minish Cap? C'est très marrant. En tout cas, à date, 8 étoiles, super badge, et all kick badge. Ah bah, ça avance pas beaucoup, AD, en tout cas, hein. Bah, en même temps, j'ai pas fini le niveau à 100%. Pas beaucoup. Bah, je te laisse un peu de temps parce que bon, toi t'es un peu en retard quoi. Bah oui, mais moi en même temps c'est parce que je le fais en stream. Et je fais quoi moi? Ça tire à balle en stream. Donc voilà. Pas d'excuses. Enfin, tu as l'illusion que tu le fais en stream. Tu te fous de ma gueule. Mais c'est pas forcément vrai quoi. C'est même pas vrai. Moi j'ai mon horaire. Je suis sûr que le chat s'en met à respecter jeudi et ce sera pas avant jeudi. Voilà. Non, mais t'as d'autres jeux à faire en RA aussi, hein. Bien sûr. Mais voilà. Les RA, c'est jeudi. Parce que là, jeudi, je vais souvent finir Mario et je vais faire un autre jeu après. Est-ce parce que quelqu'un fait mon jeu en stream un jour? Donc ça va être fini. Ah, Loulou, quel jeu? Bah, quelqu'un. Parce que j'ai fait un jeu il y a longtemps. Mais enfin, vraiment, il y a longtemps. Ah, oui, c'est vrai, t'en as déjà parlé. Et j'en ai jamais parlé parce que j'avais. Le défi Zelda. Non, c'est le défi de Loulou. Tu vas arrêter tout de suite là. Mais ouais, c'est avec la promotion de merde. La promotion de merde. Ah ouais, quand même. Voilà. La promotion de ses morts, c'est très cher. Allez-y. Ah là là, va pas me dire le contraire, Wizra. C'est toi, t'avais fait un jeu, on aurait parlé tout partout. Du coup, voilà. Et moi. Ouais, tu l'as fait quand? Moi, je sais pas si j'aurais fait un jeu, je pense que j'aurais envoyé et tout le monde s'en foutrait. On verra bien, tu peux tenter. Hein? Et du coup, Louis, tu disais. Il y a Anaïs dans le jeu. Ouais, non, il y a Anaïs, Maïva, Lily, Alexandrine. Et moi. Wow. Je suis pas dedans. Je reconnaissais pas quand j'ai fait le jeu. Bah, mais deux à jour en fait. Faudra faire un deuxième opus. Il y a pas longtemps, mais parce qu'il y avait des bugs graphiques et tout. Faudra faire un deuxième opus, faudra faire la boîte en vie. Mais il est jamais. Est-ce que c'est un cooking, Mama? J'avais écrit une histoire, non c'est RPG, j'avais écrit une histoire et tout. Mais tu sais qu'en plus, il est vraiment en train de t'appeler sur le 3. Sacré Hugo. Mais voilà, celui que à un moment, genre ça a parlé dans sa liste de jeux Discord, genre c'était dans un truc, joueur vraiment, et genre c'était vraiment le truc, genre t'avais le vrai qui est presque introuvable. Et vu la gamer, il l'a fait. Ça s'appelle comment? Mais non, il est pas encore sorti. Non mais le 2. Le 2, bah oui, il l'a fait. Faudra qu'il fasse le défi de Zelda. Hein. Moi j'ai fait que non, j'ai fait aller, c'est bon, ça va. Tant qu'à faire. Ça va, c'était déjà de la merde. T'as des goûts de merde. Je reviens. Non, mais en même temps, le 1 c'est un peu le moins bon des deux, quoi.
Ah, en même temps, oui, le 1, il était pas fait pour être joué par tout le monde, il était que pour AD à la base. Ouais, c'est les autres connards en commentaire, là. C'est les autres, ça, quand il y a eu le 2, là, bah oui, c'est ça, ils sont... Eh, il y a un 1, alors il est où, le 1 ? Mais non, mais même les Anglais, là, ils sont venus sur la vidéo, oui, le 1, il a pas téléchargé, je comprends pas. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, c'est le... Ah, écoute, on va te le faire pour tout le monde, alors, mais il est moins bien, hein, bordel. Voilà. Je ne dis jouais pas, en fait. Par contre, à speedrun... À speedrun, faites comme Fiki, à speedrun. Ouais, et puis n'ayez pas de chance. Hein. N'ayez pas de chance avec les squelettes de merde. Suicidez-vous. Hein. Bon, ça me saoule. Et dire que c'est un truc assez marrant, c'est que... Abandonnade. Le... Phrase, genre le soir où j'en peux plus, où je pars dormir, où il y a eu un Let's Remember. Ça va, je l'ai vu. J'ai pas tout compris, je t'avoue. Ouais. En différé, mais voilà. Ah, mais j'oubliais que j'avais pas le triple saut, bordel. C'est nul. Tu devrais le savoir quand même. Bon, moi je vais y aller, Voldemort, maintenant. Mais c'est laisse qui, ton chat tranquille. Mais je l'appelle Voldemort parce que c'est vous savez qui. Celui qu'on ne pourrait pas prononcer le nom. Voilà, c'est ça. Et mais c'est qui par contre? Ah bah ça, tu demanderas à AD. C'est Voldemort. GG. C'est Voldemort. C'est bon, je connais. Moi, je dois aller voir Voldemort, donc je vous souhaite une bonne journée, une étoile à l'envers, c'est très sexy. Bonne nuit. Et une bonne nuit. Ben, je reviendrai plus tard. Mais tu vas où, wesh ? C'est qui Voldemort ? J'ai pas d'explication. Allez, je pars chez Voldemort, Louink, hein, n'oublie pas. C'est qui Voldemort ? Voldemort, n'oublie pas. Au revoir. Non, mais moi, ça m'énerve les gens qui me donnent pas d'explication. Tout à l'heure, il disait que c'était pas Isa, et maintenant, il dit c'est Isa. Vas-y, c'est un gros troll. Mais tu sais, c'est quoi son chat? Je viens, t'as déjà vu les photos? Non mais... Attends, pourquoi tu me parles de son chat? Parce qu'il écoute son chat. J'ai pas compris. Oh mais il est parti l'autre! Il est parti voir Isa. Mais c'est qui Isa? C'est qui Voldemort? C'est qui tout? C'est Miss! Ah bah oui, elle... Ah oui, bah là ça prend ah du bah sens. Carré, hein. Ça c'est son prénom IRL et Voldemort c'est son surnom. Ah ça il donne des pièces plus. Pourquoi il l'appelle Voldemort lui? Ah parce que... Ah c'est Voldemort ça. Ça correspond bien à la définition de Voldemort. Elle s'appelle Isabelle ou juste Isa? Je crois qu'elle s'appelle juste Isa. Isabelle... Enfin, Isabelle, belle, je sais pas, Isa, oui, peut-être. C'est sympa, il a une cloche. Ça s'appelle pas. Isabelle. Ça s'appelle pas. Isa pas. On ne dit pas le droit sans nom. Pourquoi elle risque de me tomber dessus? Bah, sinon, en fait, tu meurs. Alors, ça me choquerait même pas. Non, mais t'inquiète, Loulou, on va lui tomber dessus à deux. Ah, bah, deux, hein. C'est le gangbang, quoi. Elle peut, hein. Ouais, bah ouais, moi je la prends avec le lampadaire et Loulou il la prend avec une des... cloche. Avec des puffs. Avec une cloche. She's the belle. Il y a un tabou dessus. Pas de tabou avec les cloches. Il y a un tabouche. Non, il y a rien derrière, définitivement. Il y a l'étoile, non? Oui, en fait, mais. Il y a l'étoile qui est au-dessus, j'ai l'impression qu'il faut que je l'aie, mais je sais pas comment. T'en fous, tu prends d'abord celle-là. Et... Oui, bah oui, je prends celle-là et puis je prends pas l'autre parce que je sors du niveau. Piquer, en fait. On l'aimera quand elle nous aimera. Non, mais du coup, ça me fait chier parce que je vais être en retard. Il est déjà 20h. Ah bah vas-y. Mais non, c'est parce que je dois encore manger. C'est pour ça que bah vas-y, va faire tes frites là. Mais non, mais elle s'en fout. Je peux pas aller plus vite. Ça fait une heure qu'elles sont en train de cuire tes frites. Non, ça fait pas une heure. Non, ça fait une heure que j'ai commencé à les préparer. Rien à voir. Ouais, bah... Non mais ça c'est les Belges, hein, ils veulent tout le temps des frites de qualité. Hein. Oui bah au final tu verras, il va les faire cramer. Tu vas les faire cramer. Sache qu'un Belge ne fait jamais cramer ses frites. Non, mais... Tu parles à qui, à Loulou ou à moi? Bah, Loulou il fait pas de frites. Comment ça je les fais cramer?
Je dis à force de les laisser là, ça fait 3 quarts d'heure qu'elles sont dedans. Mais non, mais putain, je laisse 5 minutes. En fait, les frites, tu dois les faire. Oui, tu les mets dans la friteuse, ensuite tu les sors au bout de 5 minutes, et ensuite tu remets, tu enlèves. Tu les précuis une fois à 140 et une fois à 175. Oui, bon, je change pas la température entre les deux, mais je sais faire cœur des frites. C'est pas 175? J'en ai rien à foutre. C'est un vrai belge. Là, il en gros, en fait, les frites, tu dois entre guillemets les cuire deux fois. Tu les pré-cuis à 140 degrés. Et une fois que c'est fait, tu les refais cuire à 175 degrés. Bah voilà, les miennes, elles sont meilleures. À mon avis, ça doit pas exister les McDo en Belgique. Non. Si, il y a des McDo. Bah si, les McDo, ils les font en 4 fois. Une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, et puis c'est bon pour le lendemain. Sachant qu'en plus, en soi, c'est parce qu'en fait, j'en ai fait tellement que je pouvais pas toutes les mettre en un coup. Mais moi, mes frites, je les fais cuire en 3 fois. Moi, mes frites. C'est un peu tes origines. Hein. Je les fais cuire en 3 fois. Je lui dis à un moment, je les frite juste une fois et c'est tout. Ouais, c'est peut-être la puissance de la friteuse qui est pas la même, je sais pas combien elle est. Ah, je sais plus, il faudra que je vois. Mais de toute façon, dans tous les cas, tes frites elles sont pas bonnes parce que tu les fais pas cuire au feu de bois. Je suis extrêmement déçu. Même au feu de camp. Utiliser une friteuse pour faire cuire des frites, tu pourrais le faire à la main. Ah oui, tu veux le chauffer comment? Les frites dans ta main, c'est un peu con. Hein. Avec des bûches et puis un feu. Oui, d'accord. Genre tu vas faire un barbecue avec les frites? Bah ouais. Oups. Puis tu fais cuire la viande en même temps, comme ça donne le goût. Pourquoi il y a une étoile ici? Lady Liu. Oups. Our love wing. Merci Lady. Attends, je vais être très déçu de son comportement. Bay of the Lake. Qu'est-ce qu'il y a? Au revoir Zeldo. Ça va, Nirelia, beauté des îles, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Tu me manques un peu, Nini. C'est vrai qu'elle vient pas souvent, Nini. Bah oui, elle me manque. Du coup, Nirelia, je t'envoie un câlin. C'est vrai qu'il est... Il est zélé. Adé mérite même plus mes câlins. Il me parle plus beaucoup, Adé. C'est vrai. En même temps, t'es pénible, hein. Oui, c'est vrai. Tu me comprendras. Par même dire des fois que c'est moi qui parle plus que vous deux. Mais c'est ma nature d'être pénible en vrai. Hein. Ouais, t'es un vrai connard. Hein. Je suis un gros fils de 1, oui, je sais. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Fils de Wahoo. Fils de Wahoo. Oh, le cobra du canyon. Eh, est-ce que si je touche le sable, je meurs? Bah non. Pourquoi ils font ça? Je vais streamer, moi. Redonnez-moi ma pièce bleue, là. Ma pièce bleue. Mais t'as cru que c'était du sable mouvant? Bah, en fait, ils mettent des poutres en mode c'est du parcours avec un grand K. Ouais. Je voyais le délire. Mais en fait, c'est un parcours avec un C, du coup, tranquille. Tout va bien. Je vais paniquer pour rien. Ah oui, au point d'écrire parcours avec un K, tu m'étonnes. Bah, c'est de l'anglais. Quoi? C'est pas normal, ça. Oh, merci, ça va bien. Et toi? Oui, je vais bien. Hi, prepare de je ne sais pas quoi. Parce que tu m'as pas laissé lire. Mais j'ai fait quoi, là, encore, là, putain? T'as passé les textes hyper vite. Tu fais que ça tout le temps. Monsieur Tryhard, là. Mais il dit juste I will prepare the cannon for you. Arrête de faire genre tu es nul, t'es fort en anglais. T'es nul. I will prepare the cannon for you. Pourquoi you know take the star en fait? Voilà, c'est bien. Parce que il y avait un truc bleu, je voulais voir c'était quoi. J'avoue que je suis insupportable avec Adélo. Je le déteste. Je vais faire pareil sur Chrono Trigger, tu vas voir. Si vous aimez AD, mettez hashtag AD. Si vous préférez moi AD, mettez hashtag Loulou. C'est parti, je vais voir les votes. Et si vous aimez Loulou mais que vous êtes gentil, ben mettez quand même hashtag AD. Parce que c'est un con. Non. AD ou toi qui es un con?
Toi, t'es un con. Ok. Bon. Moi aussi, mais bon, surtout. Mais si vous m'aimez vraiment de fou, ça... fou, vous mettrez. Mais laisse le temps de dire au revoir, tu bordel. Est-ce quand tu fais ça, c'est un truc de dingue. Bah, enfin, franchement, dit... Sony, il va falloir qu'on discute. Hein. J'espère que t'es encore sur le stream. Hein. Mais il a dit salut. M'entends. Ah, il y avait. A fait salut, Flo. J'ai pas lu la porte. Ça m'énerve. J'ai pas lu la porte. Ah, je pourrais bloquer des gens pour ça. Je suis encore énervé, voilà. C'est quoi cette musique, t'as tout gagné. Il y en a, il a appuyé au pif sur son piano. Regarde moi quand il essaie de jouer de la musique. Ah, ça va, ça devient quelque chose. Ouais. Pas besoin de plateforme, moi. C'est vrai que le mec a essayé de faire une musique et il sait pas, il savait pas comment faire, il a cliqué un peu partout. T'aimes bien les petits Luigi? Mais je sais pas, ça sert à quoi ces petits Luigi là? Eh ben en fait c'est des boules électriques. D'accord. Ils font un peu bobo. Luigi, je dis. Luigi. Ok. Wish wish. Luigi, trop drôle. Heureux. Heureux, beauté. Tu fais fuir tout le monde quand tu t'en vas, toi, c'est dingue. Parce que il préfère quand je suis. Au moins, il dit pas au revoir et il raccroche direct. Ça, c'est terrible, t'as même pas le temps de dire au revoir, c'est trop triste. Mais de quoi? Le Soli, quand il est parti. Il a fait bon, moi j'y vais, non, salut. Mais... Et il a raccroché instant. Non, mais c'est Soli. Ouais, ça a raison de dire ça, ça m'énerve. Ah, je suis énervé. Pourtant, la dernière fois que j'ai discuté avec lui, c'était durant mon stream de Mario Kart, parce que j'avais joué avec contre lui à la fin. À la fin, j'ai coupé, j'ai eu le temps de couper mon stream et je lui ai dit, on s'est dit au revoir, tranquille. Bah ouais, bah j'aime pas les gens qui font au revoir, salut, je me casse, hein. Je vous déteste. Bah après, ça se trouve, il était pressé, ça, on en sait rien. Non, ouais, il a dit qu'il allait lancer son live, il est pas pressé. Mais je dis, j'en sais rien, personnellement, je connais pas sa vie. Mais il a dit, il allait streamer. Et bah, c'est chiant. Respectez-moi, bordel. Non. Je sais que je suis pas respectable, mais quand même. Exactement. Je sais pas où elle est, l'étoile, ça m'insupporte. Je sais. Loulou, je fais comment? Tu m'expliques. Bah, déjà, essaye de monter, de remonter tout là. Tu remontes et tu regardes en hauteur. Qu'elle est en hauteur, mais ça se trouve elle est proche là, tu sais pas. Ouais, je pense qu'elle est plus, je pense qu'elle est après, ouais, elle est après, c'est ça. Mais le champignon, c'est le cœur. Ah oui, ok, je vois. Coucou. Oh bah tiens, salut. Comment tu vas? Comment ça va? Ah bonsoir. Ah bah voilà, comment parle du loup. Salut beauté, ça va? Bien et vous? Ah bah parfait. Oh, oui. Oh, bien non. Ça fait des mois qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. Du coup, je demandais tout à l'heure là, t'es où en fait? Voilà. Je suis en formation à l'AFTRAL pour passer le permis D en transport en commun, bus, car, tout ça. Ah oui. Oui, tu vois, il l'a depuis longtemps son code, oui. Ah bah voilà, bah j'ai grave le mort. Parce qu'en plus, du coup, il m'a dit que t'avais dit. Que tu as dit du coup que t'avais le. Enfin, que tu passais le. Enfin, bref, le permis. Et moi, j'ai dit. Au moins, lui, au moins, il a le code. Il m'a dit, mais non, mais ça se trouve, il passe le code. Oui, mais il a déjà le permis, du coup. Ah, écoute, tu l'as permis frère, en fait. J'ai bien précisé le permis D, hein, pas le permis B. Oui. Le permis, la pu. Mais non, mais oui, parce que c'est les poids lourds. Enfin, les camions, tout ça. Les poids lourds, c'est. Les camions, c'est le permis C. Moi, c'est le D. C'est le permis le plus dur à passer. Ouais, et puis t'as besoin d'avoir plusieurs années à ton permis. Enfin, t'as besoin d'avoir ton permis plus longtemps. Tu vas conduire des bus du coup? Ouais, c'est ça. Mais c'est le plus dur à passer parce que les camions sont articulés, tu vois. Alors ouais. Que les bus, c'est des carrés que tu conduis et du coup, le porte-à-faux et les angles morts sont beaucoup plus importants. Beaucoup plus importants. Ah ouais, écoute. On va pas connaître les angles morts. Mais du coup, il faut le code de la route et tout pour ça ou pas? Bah oui, ouais, oui. Ouais, j'ai repassé le code de la route, mais c'est un code de la route typique B. Hein. J'ai passé ma conduite, je l'ai eu, et j'ai passé le plateau, je pense que je vais l'avoir. J'ai pas encore les résultats du code et du plateau. Et là, on est en train de réviser pour l'examen titre pro. Parce que
je peux avoir le permis D si tu veux conduire des bus pour moi, mais pour travailler pour quelqu'un, dans une entreprise, il faut le titre professionnel qu'on appelle la FIMO. Ah ouais, donc ça s'arrête jamais quoi ce bordel. Et t'as besoin d'avoir le permis depuis combien de temps pour le permis? Ouais, y a 4 examens en tout. Parce que t'as 4 examens, le SST, la formation incendie et 21 heures d'anglais. Quoi d'anglais? Ladies and gentlemen, welcome to the bus. Ah ouais, donc c'est un bus de qualité. Si on voyage à l'étranger avec le bus, tu vois, on est obligé de connaître un minimum des langues. Bah ouais, parce que si tu te fais arrêter à la douane, si t'es à la douane et puis qui t'encule. Parce que quand je vais commencer à travailler dedans, si tu veux, donc dans une entreprise, je vais commencer forcément par du scolaire, tu vois, mais par la suite, il se peut que je fasse du transport de voyage, et là je vais traverser des frontières, Espagne, tout ça. Ah ouais, quand même. Et je serais payé pour ça, c'est ça qui est magique. Payé, j'espère. J'espère que t'aimes bien conduire. Hein. SMIC, mais il y a une prime, ça doit être prime... Si tu détériores pas le véhicule, tu vois, de tout ça, t'as une prime. Ah oui, et puis l'essence aussi. Parce que j'ai une amie qui fait les bus, justement, aussi. Travaille dans les bus. De toute façon, tu dois avoir le 12e, le 13e et le 14e mois aussi, non? Ouais, puisque des commissions. 14e. Bah en gros, t'as 2 mois de salaire en plus, quoi. Bah, oui, 13e mois, oui, 14e, je suis pas sûr. Oui, c'est très rare le 14e. Hein. Pour les bus, c'est pour ça que je crois pas trop. Mais oui, pourquoi pas, ça dépend. C'est pas des bus. Parler, ça fait longtemps. Mais oui, la putain, que ça me fait plaisir à moi aussi, là. C'est le Mario, ça l'a fait revenir, là. Ah bon, oui, c'est vrai. Justement, je disais tout à l'heure. Je disais quoi tout à l'heure? Ouais, j'ai dit tout à l'heure, mais c'était cool. Du coup, j'ai dû arrêter le speedrun. Arrêter le stream. Bah ouais. C'est pour la bonne occasion, tu reviendras en pleine forme. Avec un permis. Bah, il travaillera quoi. Je finis la formation le 25 février. Moi je vais en stream dans ton bus. Hein. Je vais la cam et je vais voir des vitres de bus. Tu seras le bienvenu et ce sera gratuit pour toi. Yes. Jusqu'au Québec, il va t'amener, tu verras. C'est plus le cinéma, c'est le bus cinéma. Voilà. Arrête de vouloir inventer de nouvelles choses, moi. Je suis toujours mal après. Bon, Thierry, regarde, c'est pas que tu casses les couilles, mais tu casses un peu les couilles. Alors, c'est pas que le jeu il fait nappe, mais un peu qu'il fait nappe. Et vous, ça va, vous? Moi, en ce moment, je fais Chrono Trigger, mais là, sinon, je regarde DD, c'est beaucoup plus intéressant. Que Chrono Trigger? Bah, t'es quand même une personne intéressante, DD, non? Je t'ai vu un petit peu connecté sur LoL de temps en temps. Moi? De temps en temps? Bah, ouais. Bah, toute la journée, là, il est dessus, là. Non, je suis pas dessus. Non, c'est vrai que je joue tous les jours, presque 3 heures par jour au moins, League of Legends. Sans compter Wild Rift. Wild Rift, tu joues aussi? Ouais, Wild Rift, ouais aussi. Oh, incroyable, moi aussi, bah écoute. Bah, quand tu veux, en fait. D'ailleurs, je te demandais à Mami, je me suis dit, bon, sur League of Legends, ça doit être Hiruma Space, comme d'hab. Hein, ah oui, c'est exactement ça. C'est un mec très unique, du coup, je vais mettre Hiruma Space et je t'ai trouvé, et voilà. Fais gaffe, tu vas recevoir des skins, tu vas pas comprendre. Non. Reconnaissant Loulou, ça arrive vite. Hein. En fait, moi je. Oui, ouais, bon, ça arrive. Ne lui dis pas quel perso tu joues si tu ne veux pas de skin. Hein. De toute façon, il le verra. C'est un coup de skateboard, là, ça monte dans le sang, attention. L'autre fois, il a joué avec Tarkam, il lui a payé 3 skins. Deux. Mais attends, il joue tout le temps Fizz, mec, ça ne change jamais. Tout le temps le même Fizz bleu. Moi, je me suis dit, il va avoir d'autres couleurs. Et toutes les chromas qui vont avec. Le jour où H cœur de cibre sort en mode payable, t'inquiète. Alors on sortira jamais, si. Bah des fois ça arrive en essence bleue. On sait jamais, hein. On bon, surtout les chromas, mais on calme. Pas que les chromas. Mais y'a pas de chroma de H cœur de cibre. Non, y'en a pas. Du coup y'a Lady qui te dit coucou Hiruma. Sur le chat. Alors Lady, je te présente Hiruma, c'est un potos du stream à Zeldouille. Et Hiruma, je te présente Lady Nozor, une québécoise du stream de Zelda. Mais je connais. Elle est grave mims. Bah non, je crois pas que tu la connaisses, mais... Bah Lady, elle avait l'air de la connaître en tout cas. Lady Nozor, je la connais. Ah bah voilà, bah nickel. Et on est mariés, Lady Nozor et moi.
t'es marié à tout le monde, c'est pas très dur. Hein. Non, c'est pas une gloire, hein. Fais pas genre, c'est quelque chose de bien, Lille. Tout le monde est marié. Mais si, puisqu'on règne tous les deux, du coup, voilà, je suis obligé de le dire. Ah, excuse-moi. Voilà, merci. Prosterne-toi maintenant, enculé. Voilà, c'est bon, Lady, elle a pris le melon. Là. J'aime beaucoup Louis. On peut partager notre arène si tu veux. Ah bah s'il y a de la place. Pas pour toi en fait. J'ai pas envie d'aller jusqu'au Québec là. Non, mais non plus. Mec, il se désiste beaucoup trop vite à ses responsabilités. Je préfère mes remparts là. Non, moi déjà j'essaie de passer le code, après on pourra parler d'arène. Ah, le code de la route. Oh oui, un vrai petit enfer ce petit... C'est... Voilà, ça m'énerve. À chaque fois que tu peux mettre je ralentis, je m'arrête, c'est tout le temps. Voilà. Non mais mec, je te jure, c'est horrible. Ouais, mais je pense que c'est pas sur ça qu'il bloque. Je l'ai passé deux fois, je l'ai raté d'un point près. Ça m'a énervé. Ah. Après, du coup, j'ai repassé la deuxième fois, j'ai raté de... 9. 8, de 3 points près. Oh là là, la un 4 du coup. Ah mais mec... Ah, je croyais que t'avais fait 9 fautes. Non, 38. Ah bah... Mais non, pas 9 fautes, ça va pas. 38 hein. Fautes, pardon. Non, j'ai pas fait 38 fautes. J'ai pas fait 38 fautes, je suis pas non plus un malade. On sait jamais. Je passe le code. C'est... Déjà, code, je revends au moins avoir 20, mais par logique, tu vois. C'est consentement seulement. Whisper. Tu veux te mauvais, ouais. Alors, Whisper, est-ce que t'as reproduit l'exploit de dormir en plein stream? Bah, maintenant, oui, il dort sur le stream des autres. Là, je pense qu'il est en train de dormir. Ouais, ouais. Ah merde! Mais attends, faut que je regarde. Ouais, parce qu'il dort maintenant. Non, mais il fait ses frites là, je pense. J'ai l'impression, des fois, il nous fait des petites crises de narcolepsie. Oui, voilà ce que j'allais dire. Il est narcoleptique. C'est pas possible autrement. Mais quelle est cette horreur, putain! Oh, le pauvre abbé. Tu l'as même pas eu quoi, je suis déçu. Ah arrêtez. On sait pas d'où ça sort. Pourquoi il est tout petit aussi là? Oh, il l'a même pas eu quoi, genre même mais en si, je l'ai eu. Ah j'ai... Ah c'est pas 3. Non c'est 4 hein. Oh no. Oh non. Bon celui-là je vais tenter le best hit parce que flemme de remonter jusque là. Le best what? Le best hit, c'est toujours la même chose que tout à l'heure. Mais c'est quoi? Mais c'est le faire sans se faire toucher. D'accord. C'est comme faire vati sans se faire toucher, c'est facile. D'accord. Par exemple là j'ai raté. C'est insupportable vu qu'il y a les boules électriques qui te suivent. Hein. Comment tu veux qu'on aime Luigi après ça? Excuse-moi, mais c'est un peu compromettant. Mais il y a écrit Swag sur son dos. Et alors? C'est pas mon problème. Mais par contre, c'est 5 coups, ça suffit pas, il en faut combien? 6. Bah non. Bah oui, mais non. Sérieusement? Ah, peut-être qu'avec les badges, je fais plus de dégâts. Ah, c'est possible. Par contre, ça fait beaucoup, là. Ah ouais, hein, j'avoue. J'espère que j'ai pas mis trop de temps. Bah, non, t'inquiète, t'as pas dormi longtemps, t'inquiète. Non, mais j'étais parti manger. T'as pas dormi longtemps. Mais ça vient de se foutre de ma gueule là parce que je dors en stream. Et dans les streams des gens aussi. Ouais, c'est vrai. Genre. Ouais, Loulou, toi aussi. Pardon, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie et c'était avec toi. Et ça, excuse-moi. Ça plus, arrivé deux fois d'affilée. Dit, non, la deuxième fois, tu m'as dit je suis en forme, tout ça, une demi-heure après. Alors. Déjà, tu me laisses faire ma phrase s'il te plaît, merci. Non. Je t'ai dit, je suis crevé en ce moment. Mais je me sens plutôt d'attaque. Plutôt voulait dire peut-être que. Donc voilà. À toi de savoir aussi. Ouais, tu changes de version là. Si t'aimes pas, tu me connais, tu vois. C'est pas possible, ces enfants. Oh non, je vais mourir.
comme d'habitude. Ah non, t'as raison. Bon, c'est pas que je veux rester, mais j'ai mon propre stream à lancer, que je suis déjà, j'ai déjà 20 minutes de retard. C'est pas du retard, c'est du retard. Ah si. Bah, c'est un arrêt virtuel souvent platonique des gens qui savent ou pas qu'ils en font partie, car le reste c'est consentement seulement. Seulement le consentement. Du coup, je vais switch de vocal parce que d'après une certaine personne, les doubles streams c'est pas une bonne idée. Alors, personne s'appelle moi-même, donc un peu de respect. Eh ben moi-même m'a dit que c'était pas une bonne idée. Bah c'est. Bah, mec, excuse-moi, mais alors quand je lis quelque chose et toi tu lis en même temps, pas ouf. Ça hein, fait du brouhaha hein, quand même. Ouais, Chrono Trigger, pas Chrono Trigger et Dragon Quest, donc. Ouais, laisse tomber. Niveau histoire, y a plus rien. Non mais là, imagine le truc, oh, le bordel. Bref, que ceux qui m'aiment me suivent. Bonne nuit. Moi je t'aime pas, je t'aime. Non, j'agole. Comment ça se fait qu'il ouvre la porte sur le côté? Bah, c'est un magidéac. Ah oui, d'accord. On a bien hacké la porte là. Yo man. Putain, qu'est-ce que j'ai été lent. En 2 heures, j'ai fait que 30 étoiles du coup. Qu'est-ce que... Comprends plus trop là. Un schéma. Ah oui, d'accord, il y a un mur invisible. Ouais, comme toujours. Oh, les étoiles qui mangent. Bon, je vais aller soutenir une amie. Bonne fin de stream, les choux. Hein. Merci, de toute façon, je vais pas tarder. Faut que je mange avant le chrono trigger. Bah, tu sais, c'est en pleine semaine. Hein. T'es pas obligé de venir au chrono trigger. Tu peux venir le week-end si tu veux. Moi, bah, je viens pas, d'accord. Non, mais tu peux venir, mais c'est que c'est pour juste pour tes cours que je m'inquiète. Alors, d'accord, je vais. Ok. Non, mais tu veux pas le week-end, c'est tout. Si, moi je veux, j'adorerais, mais... T'as non, mais j'ai compris, hein. Mais genre, je m'inquiète mais pour toi, yet je veux que tu réussisses. Il s'est passé quoi? Oh, c'est bon, hein. T'inquiète pas. C'est pas une soirée qui va tout changer. Déjà que tu galères en ce moment. Comment ça? Bah, tu m'avais pas dit que c'était un peu plus difficile, enfin, que c'était un peu dur, tout ça, le riz. Oh, si, mais bon... Mais voilà, on va autant dormir tôt. Allez. Ah, je vais me coucher. Non mais t'inquiète pas, Loulou. Non mais fais. T'inquiète. Tout est de moi. Je sais décider si c'est bon ou pas, Loulou. Oui, mais quand même. Moi, j'ai pas envie d'être responsable de ton. Oui, et eh ben. De tes mauvaises notes. Toi, voilà. T'es censé faire ton code avant de faire tes lives d'abord. Ah, mais moi, déjà, premièrement, tu sais très bien que Tarkam, tous les soirs, après mon live, il arrive et on fait du code. Ah ouais, et pourquoi ce serait pas je avant je vais streamer le code, donc ça va. Et bah, comme ça. Ça a déjà passé les couilles. Bah, c'est rigolo, le stream. Code. Oui, bah, bien, il va le. Je joue à plusieurs et j'espère que vous achèterez le jeu ensemble, comme ça on le fera. Hein. Oh mon dieu. Oh non. Tu vois ce que Mario en a bah, dit si, hein. Il a eu envie de se suicider. Comme ça, on passera tous le code ensemble. Oh non. C'est un battle royale. Est-ce qu'il y a un battle royale? Oui, c'est un truc comme ça. C'est un genre de battle avec le code et tout, et on compare nos points à la face, c'est trop drôle. Est-ce qu'il y a un chrono aussi pour le temps de réponse? Oui. Est-ce que ça compte dans les points? Parce que si c'est le cas, c'est nul. Parce que moi, j'aime bien prendre mon temps. Ouais, bah, c'est comme le vrai examen en fait, sauf que c'est une battle. Et ben on fait ça dès ce soir du coup. Non, ça va être possible dès ce soir parce que Chrono Trigger oblige, mais. Mais après. Mais un jour, oui. Comme ça, après, quand on saura tous et tout, et ben après, on pourra tous passer notre code ensemble, on aura tous nos codes ensemble. Mais pour la suite du stream, c'est bon. Tu sais, tu peux faire un deuxième. D'habitude, tu fais du League of Legends en deuxième stream. C'est pas mal. Non, alors déjà, je fais pas du League of Legends en stream. Sur Twitch. League of Legends. Mais si tu veux jouer d'ailleurs, bah pardon. Oh, micro. Si tu veux jouer d'ailleurs, joue avec Roma, n'hésite pas. Y'a pas de soucis, bah écoute, on se fait ça après si tu veux. Comment. Moi je suis en game avec NS, mais on pourra jouer à 3 parce que je joue avec un collègue. Ouais, ça marche. Tu joues quelle lane? Oh, je joue un petit peu de tout, tu sais.
J'aime bien le top, j'aime bien... Là, en ce moment, j'aime bien ADC parce que j'ai mon collègue... Ah, j'ai vu que tu jouais MF, là, la dernière fois que j'ai regardé, tu jouais... Ouais, ouais, c'est ça. Ah, des fois, je suis spectateur de tes parties, je me regarde quel talent, tu vois, tu joues plutôt bien, ouais, j'avoue. Merci. Enfin, j'ai pas pu regarder la dernière fois, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Parce que c'est des parties carré VIP, tu vois. Non, je te jure, c'était grisé, on pouvait pas cliquer. Alors, je sais pas, des fois, il y a des gens que je peux regarder, des fois, d'autres pas. C'est bizarre. Ouais. Bon. Mais ouais. Bah, ça fait 2 heures de stream. Je pourrais pas jouer tout de suite parce que je regarde DD. Non, mais je vais couper là, de toute façon. Là, ça fait 2 heures de stream, et puis, comme je t'ai dit, je vais aller m'alléger. Ouais, ça fait 2 heures tout pile. Okay. C'est parfait. Bah, ça marche. Bah, voilà, merci les gens d'être passés. Puis, n'oubliez pas d'aller chez Loulou et puis chez Wizard en attendant. Et puis même après si vous préférez. Puis ah mais c'est vrai on peut faire des raids, ça existe. Et quand est-ce que tu restreams des... Bah vendredi j'aurai rien à faire normalement, du coup je pense que je vais continuer demain. Attends, comment on fait des raids? Et demain il y a les nouveaux skins Roule de Shanghai. On peut pas. Ça, cool. Attends, on peut pas faire des raids sur téléphone là. Non. Pénible. Son stream. Oh les conneries. Oh, ça tu m'aurais nommé modérateur ou je sais pas quoi, j'aurais pu faire les raids à ta place. Mais tu parles jamais dans le chat, comment tu veux que je te mette modo là? Pardon, ouais, je parle jamais dans le chat parce que je suis en vocal avec toi. Normal. Bah oui, bah voilà. Bah voilà. Le mec il veut tout faire en modérateur même temps, vocal quoi. Du coup. Non, bah je vais faire ça à la mano sur leur. On va démarrer Google Chrome et on va tout faire crasher. T'as moins d'1% d'images perdues, c'est incroyable. Vous qui maintenant stream sur YouTube et sur Twitch, on sait de qui tient ça, hein, forcément. Mais... Oh, toujours à se plaindre, celui-là. Franchement, oui. Bon, c'est un raid sur une chaîne. On va raid tout le monde sauf Loulou, sauf Wizra, c'est ça. Tout ça parce qu'il copite. Non, vas-y. T'es sûr? Parce qu'il y a Sony Link aussi. Ah oui, mais mec, je pense qu'il est possible en plus, ça va pas. Bah, ah, Sony Link, il continue son. Eh ben, un Dragon Quest, tiens, ça change. Voilà. Dragon Quest. Yeah. Ça me fait rire en plus, Dragon Quest. Sale pien. Ou wow, en japonais. Dragon Quest. Oh, trop bien fait. Tu peux le faire pour tout et n'importe quoi, hein, je sais pas. Dragon Quest. Je sais pas, je sais pas. Dis-moi une marque de voiture. Dragon Quest. Volkswagen. Vas-y. Volkswagen. C'est génial. C'est un talent. Ah, le métier que j'aurais aimé faire par choix, ça aurait été acteur doubleur. Oh, ah ouais, d'ailleurs, moi, mon projet n'avance pas du alors tout, AD. C'est le RPG, mais vraiment pas. Qui m'a le plus occupé. C'est pas Dragon Ball. C'est un stand-by. AD non, oui. Il est parti. Ah non, il est là. Ce jeu-là, c'est le RPG qui m'a pris le plus. Qu'est-ce que tu fais avec Wizra Live? Non, mais c'est bon, j'ai lancé mon run et puis bon, bah c'est tout. Bon, bah. Je vais couper là. Ok. On va voir le stream, on va voir le temps fort et. Oui, malheureusement, c'est. En fait. Bisous les gens, prenez soin de vous. La bise. Gros bazou. Ah oui. Portez le masque. Donc, du coup, j'ai dû mettre le. Il sortait couvert. Parce que bah, j'ai pas marqué. Merci, allez.